Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Tout ici, Vanille et Letco ce soir. Mon invité exceptionnel pour la Captain Tsubasa Paris Cup. Donc première édition qu'on fait en direct de l'Extra Life Café. Et du coup, Captain Tsubasa, déjà première question, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu mobile. Après, quand on parle de Dream Team, c'est un jeu mobile, mais après Tsubasa, c'est bien évident une licence que tout le monde connaît, je pense, mondialement. Manga animé sur le football. Sur l'histoire d'un jeune d'un petit garçon que, voilà, qui est là. Hop, ouais, Tsubasa. Bon, je vais pas résumer tout. Bon, je vous laisse regarder le remake 2018 qui a été un franc succès. Donc voilà, et j'ai décidé d'organiser avec l'Extra Life Café, qui est vraiment spécialiste dans tout ce qui est stream, donc c'était une évidence de faire appel à eux, pour faire la première Tsubasa Cup Paris. Voilà, tout ça. Donc, pour l'instant, tout se passe bien. Donc, je suis content d'un truc. Juste une petite parenthèse, c'est qu'il n'y a pas trop de déconnexion, donc la connexion tient bien. Ça, ouais, ça c'est cool. Je suis très content parce que j'avais peur de ça, ça a été l'un des points qui m'a fait le plus peur avec le stream. On est très en retard, je sais, je m'en excuse vraiment du retard, on a fait au mieux. Heureusement qu'il est là, vous pouvez lui dire merci si vous avez un stream en direct. T'inquiète, c'est mon taf. Hein. De toute façon, il y aura la rediff sur ma chaîne, je sais qu'il y a certains youtubeurs, Atchoupi qui est là, qui sourit avec son... Avec son sourire d'Ahlou, qui a peut-être récupéré les rediffs, etc. Et voilà. Et j'ai l'impression que tout le monde prend beaucoup de plaisir. Ils sont concentrés. Voilà, les gens en arrière-plan, ils sont vraiment concentrés. Parce que, du coup, le format de ce soir, donc la compétition a déjà commencé. Voilà. On a eu des problèmes avec nos PC, avec la connexion, etc. Donc, du coup, on a mis un peu de temps à démarrer. Et du coup, le format de ce soir, donc, on a des groupes. Donc on a 4 groupes de 6 joueurs, les deux premiers de chaque pool sont qualifiés pour la phase finale. Après c'est un arbre à élimination directe, quart de finale, demi-finale et finale. Et troisième place. Bien entendu le match pour la troisième place aussi. Et donc là on en est à la troisième série de matchs de pool. Ouais, troisième sur 5. Donc je suis désolé pour ceux qui n'ont pas pu voir les premiers matchs. Après c'est que des matchs de poule, les matchs les plus intéressants vont être streamés normalement. Ça va être pour après. Si Dieu le veut, normalement ça va tenir le coup. Donc il y aura les quarts de finale, demi-finale, troisième place et bien évidemment la finale, la remise de coupe et les loups. Donc bon. Et du coup là on va streamer un des matchs, une belle affiche. Normalement, Cham, c'est quoi le match qu'on va streamer? C'est Atchoupi versus Bad Jojo. Donc Bad Jojo qui avait gagné la Tsubasa Winter Cup qui a été organisée par Atchoupi. Donc voilà. Et du coup, l'ironie du sort, exactement. Alors et du coup sur la petite caméra qui se trouve de ce côté là, eh bien vous avez Bad Jojo à gauche, donc en gris foncé, en t-shirt noir. Et Atchoupi concentré avec ses écouteurs en gris clair. Donc alors, du coup, eh bien on va pouvoir synchroniser donc le jeu. Alors le PC est là-bas. Si tu veux bien, Cham, noter le. Ouais, Chamix. Le lobby. Chamix que certains d'entre vous connaissent si vous suivez effectivement donc les compètes de Captain Tsubasa. Il est connu en tout cas. Et de toute façon, derrière, il va venir commenter avec nous d'ici quelques instants. Voilà. Alors, donc le jeu en question, donc c'est du foot à 11 contre 11 sur mobile. Donc avec le tactile, vous déplacez vos joueurs. Et donc, dès qu'il y a deux joueurs donc adverses qui rentrent en confrontation, et bien derrière, on a une phase où il va falloir faire des choix. Donc typiquement, il y a, si je ne dis pas de bêtises, la passe, le tir, le dribble. Exactement. Voilà. Et ensuite, après, il y a les et les options spéciales, en effet. Voilà. On aura le temps de détailler tout ça. Et aussi, tu as une dernière option, c'est le full power. C'est un gros boost. Ça, c'est quand t'as... Par contre, ça, c'est une jauge qui se remplit. Alors, normalement, voilà, il attend juste le feu vert pour. Voilà, c'est en train de se. C'est bon, faire. Cham.
Bah là, tu as lancé. Alors, il a pas validé encore. Il n'a pas encore validé. Alors, et du coup, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, donc pour terminer mon explication, derrière le défenseur a lui des choix entre le bloc, l'interception et le tacle. Et le tacle, donc. Et voilà, après, sinon, pour le reste, eh bien, c'est du foot très classique. Donc, ça y est, on va pouvoir démarrer tout ça. Et moi je vais lancer mon match. Parce que j'ai un match aussi contre. Et du coup c'est. Je laisse la passe à monsieur Chamix. C'est Chamix qui va venir à côté. Voilà, donc ça y est, on a aussi les commentaires. Donc là, on a le chat. Qui est prêt. Ah, par contre ça m'énerve, on a raté quelques. Les premiers commentaires navrés, on les a tout simplement ratés. Pour avoir les poules après le match. Ouais, alors je vais vous mettre directement le lien du challenge. Ouais, ce que je vais faire. Alors en fait. C'est ça, ouais. Voilà. Donc on va pouvoir démarrer ça. Voilà, le match qui commence. C'est Bad Jojo qui engage. Un premier duel. Donc ouais, pour ceux qui connaissent pas le jeu, on a une vue un peu Football Manager avec le côté tactique. Parce que quand t'as deux pastilles qui se rencontrent, un duel qui se crée. Voilà. Et voilà, en fonction, comme tu disais tout à l'heure, en fonction des phases, si t'es en phase offensive, tu choisis passe, dribble, shoot. Ah, et là, donc, par exemple, on a une confrontation à l'entrée de la surface. Voilà. Donc après, hein, c'est vraiment dans l'esprit de base de l'Ivetom, donc les phrases à rallonge pour, voilà, pour une action qui va durer littéralement 2 secondes. Ce serait bien pour plus dans le jeu. Je vais essayer d'enlever le... Non. Pour le prochain match, on va enlever les introductions. Ah, ok. C'est pas grave, après. Ouais, bah là, c'est bien pour montrer le jeu. Pour les phases finales, oui. Donc là, on a un shoot. Allez, le tir du tigre. Du tir foudroyant. Ah, ouais. Donc là, on a l'attaquant qui est bleu et le goal qui est vert. Donc il y a toujours ces histoires de tirs. C'est un peu comme Pierre Feuille Ciseaux. C'est ça. Ah, est-ce que ça passe? C'est Poteau, attention à la récupération quand même. Et là, on va repartir sur une nouvelle frappe. Donc le FC Shaolin qui pourrait ouvrir le score là-dessus. Donc après, la bonne chose qu'il y a à savoir, c'est que ce gardien-là, il a une compétence passive qui booste ses statistiques, je crois, de 20%, si je dis pas de bêtises. Le Wakabayashi Dreamfest. Quand il fait face des joueurs. Attention l'arrêt. Oh, c'est arrêté. Voilà. Donc là, vu qu'il est face à des joueurs japonais en attaque, c'est compliqué un peu pour lui. Alors derrière, ça passe sur le côté. Ouh, je crois qu'il y a une interception là. Et non, il l'a pas eu. Donc là, elle continue à progresser. Donc là, on est sur le milieu de terrain. On a une confrontation. Voilà, on a Choupi qui est en phase offensive là. Crawford contre Aoi. La possession pour le FC Sushi, l'équipe rouge. L'équipe rouge qui est contrôlée par Achoupi, si je dis pas de bêtises. Exactement. C'est ça, donc le joueur de droite, effectivement. Et derrière, récupération des rouges. Voilà, encore une fois, avec le pénétrant en plein milieu. Ouh, il a réussi à avancer quasiment dans les 20 mètres. Il a enclenché son shoot avant d'avoir le duel. Attention. Alors, est-ce qu'on va assister à l'ouverture du score là sur cette action? Il est debuff, mais il y a aussi l'histoire de Chip qui joue. Et là, le boost de Wakashimazu qui s'active contre les joueurs asiatiques qui s'enclenchent pas, vu que Schneider n'est pas un joueur asiatique. C'est un joueur européen, donc en théorie, donc, le tir ça de... peut faire mouche, ça peut faire mouche. Ah, le tir tout de suite, Schneider contre Ike, et c'est l'arrêt. Et c'est l'arrêt, du coup, récupération du Shaolin SC. Ça part sur l'aile gauche. Interception. Mais derrière, effectivement, interception. Il va peut-être enclencher son shoot. Même pas, non. Ah. Derrière, Napoléon, le joueur français. Oh, il est juste face au but. Il est dans les 6 mètres.
Là, on a... Ouh, ici, hein, le full power, critique, effectivement. Critique, or. Ouverture du score, peut-être. Ça peut faire mouche, ça peut faire mouche. Napoléon, ça peut faire mouche. Derrière. Alors j'aime bien, il était juste face au but. Et là on voit que le ballon il traverse les trois quarts du terrain. Ah oh, et c'est le but. Ouverture du score pour Achoupi. 30ème minute. Voilà, au tiers du match. Mais bon, il n'y a que 1-0. Bah Jojo, je pense qu'il n'a pas dit son dernier mot. Donc, Ah non, bien sûr, bien sûr. Donc rien n'y jouait pour l'instant. Faudrait qu'Achoupi mette un deuxième but. Ou Tsubasa qui choisit de passer par la gauche. La passe en profondeur. Non. Ah, il n'aura pas eu le temps de faire la passe là. Ouh, solide Bigito sur le stream. Salut mon petit Bigito. Dommage, t'es pas présent avec nous. Hein. Il manque que toi, mon poulet. Ouh, le tacle. Et non. Eh, c'est dribblé. C'est dribblé. Eh oui, la passe qu'il emporte souvent sur le dribble. Après, en cas contraire, avec une RNG défavorable. Là, là, ça passe. Oh, le 1-2. Bien joué. Et là, derrière, ça progresse dans le but. À l'entrée de la surface. Duel. Yoga versus Pierre. La Yoga qui pourrait... Que va faire Bad Jojo? Que va faire Bad Jojo? C'est ça, le choix défensif aussi va être d'Achoupi va être important. Ah. Alors je triche un peu parce que je vois son écran en même temps, mais je ne dis rien. D'ailleurs vous le voyez aussi, mais vous le voyez sur 10 pixels quoi. Donc il n'y a rien à voir, le tir du tigre foudroyant. Ah, attention, là c'est le gardien, le choix, Achoupi. Ah, critique dorée qui s'est activée pour Yuga. Ah oui là. Est-ce que éventuellement. Ah. Oh, et c'est l'égalisation de Bad Jojo. Voilà, comme quoi, comme bien disait, joué. Il a pas dit son dernier mot. Rien n'est joué. Un partout, balle au centre. Et oui, Chamix, dégoûté de pas être avec vous, mais on se venge à la Japan. Ah, j'espère que tu seras là à la Japan. D'ailleurs, il faudra qu'on organise un peu tout ça. Donc là, ça y est, la défense qui arrive. Ouh, et confrontation avant le milieu de terrain. Donc ça, si c'est intercepté, ça peut être très intéressant. Ça peut être très intéressant, comme ça peut éventuellement signer la dernière action de la mi-temps. Et oui. Ça passe. Et oui, là, on est déjà à la 41e. Voilà. Donc il restera pas plus qu'une action, je pense. Voilà. Oh, et c'est raté pour la défense. Oh, on a... Oh, double critique, mais c'est raté aussi. Derrière, la passe. La passe. Ah, ça va être... Ouais, non, mais de toute façon, c'était compliqué. Il était bloqué. Il y avait un défenseur devant, à droite et à gauche. Donc là, vraiment, en fait, le moment où on a la vue du dessus, c'est vraiment le moment tactique le plus intéressant. Exactement, parce que c'est là que, concrètement, tu peux éviter des duels. Du coup, ça te fait un peu une économie de stamina. C'est ça. Économie de stamina. Après, voilà, ça laisse libre cours à la stratégie. Soit tu cours, Passe encore pour... Non. Ouh, Zitsan qui est là. Ah, oui, c'est le gardien qui récupère la balle, là. Et donc, ça y est. Est-ce qu'on va assister au deuxième but avant la mi-temps? Parce que celui-là, il ferait mal. Ouais, mais ça... Ouais, la frappe, quand même. Ah, on sait jamais, il est RNG favorable. En tout cas, Letko, il y a Zitsan qui te félicite pour l'event et qui regrette de ne pas être là. Ah, mais c'est toi qui fais le critique. Oh, t'inquiète. Bah, critique du gardien, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait que ça passe là sur le coup. Là. Ah, ouais, bah, ça vient de loin quand même. Hein. Là, ah, voilà, clairement, allez, bim, range-moi ta balle. Là, c'est la mi-temps. Vas-y, range-moi ton ballon corner là que t'as acheté, t'as acheté en vacances là. Vas-y, c'est bon, ton ballon de plage. Ok, donc mi-temps, un partout. Un partout là, bah, match serré. Serré. Les deux adversaires, pour moi, se valent. Hein. Ils ont réussi, entre guillemets, à concrétiser les opportunités qu'ils avaient quand ils les ont eues. Après, voilà, il reste une mi-temps. On va voir, peut-être qu'ils vont faire des changements. Qui vont peut-être, voilà, coaching payant ou pas, on verra bien. Là, effectivement, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Là, c'est la composition d'équipe. Vous ne le voyez pas, mais effectivement, les deux joueurs sont très concentrés. Bah, de toute façon, aussi, vous les voyez, vous les voyez là. Voit,
exactement ça. Ouais, donc, voyez, donc voilà, c'est vraiment là, si c'est la mi-temps, c'est, on va dire que c'est un moment où le jeu, le côté tactique du jeu, il prend un peu plus de crédit, dans le sens où bah, oui, des changements, ça peut te faire gagner un match, comme ça peut éventuellement t'en faire quand on ne fait pas forcément les bons. Ça, c'est comme dans tous les sports. Hein, mais... Et ça. Donc en tout cas, Bad Jojo qui se caresse la barbe. C'est mon gris. Il y a quelque chose de maléfique qui se trame là. Ah et ça y est. Ah là, ça va repartir là, deuxième mi-temps qui va commencer. Bon, et donc Victorino qui remplace Santana chez les Bleus. Izawa qui remplace. Izawa qui a été rentré par Achoupi. Ouais, par Achoupi. C'est un choix techniquement et très intéressant. C'est Achoupi qui a la balle. Et là, elle va peut-être passer par la gauche et ouais. Confrontation, pas le temps. Confrontation, pas le temps. Donc pour revenir sur ce que je disais, le choix tactique de Achoupi, il peut être très intéressant parce que ce Izawa-là, il a une interception automatique qui se déclenche pour 0 de stamina et à 70% de chance que ça se déclenche. C'est-à-dire que s'il se trouve sur la trajectoire de la balle, il peut éventuellement la récupérer. Et ça peut éventuellement renforcer son milieu de terrain. Et souvent dans les matchs, bah, celui qui contrôle le milieu de terrain, c'est celui qui a souvent l'avantage et qui gagne. Donc après, on verra bien. Et le oui. Cœur. Donc là, en tout cas, la confrontation. Merci Zit, merci. Voilà, il manque que toi et Bégito. Il manque aussi quelques autres têtes qui n'ont pas pu être là. Mais on sait que vous êtes là par la pensée et par le cœur. Donc ça y est, le choix, bah ce sera une passe. Intercepté, très bonne lecture du jeu. Et oui, très bonne lecture très bien du joué. Jeu. Ouh, la passe en profondeur sur la droite. Confrontation à l'entrée de la surface. Entre Roberto Gentile. Donc en tout cas, n'oubliez pas, vous avez en bas à gauche donc le radar qui vous rappelle tout simplement où se trouve l'action, puisque c'est pas en regardant l'image qu'on va comprendre, parce que là on regarde l'image, on a l'impression d'être au centre du terrain, alors qu'en fait on est vraiment à l'entrée de la surface. À l'entrée de la surface, ça peut être une action dangereuse. Ah et le tac, le 1-2 qui l'emporte, le 1-2 qui l'emporte sur le tac. Oh, que de l'amour, que de l'amour entre le maître et son élève. Ich. Voilà. Ah, si seulement c'était comme ça quand je vais jouer au five avec les potes. Tu sais, toujours qu'il y a un qui se met à dribbler tout le temps. Il y en a toujours un comme ça dans l'équipe, sinon il n'y a pas de vraie équipe. Ah, et là, eh ben, on est parti sur une frappe. Là le passif de Wakabayashi qui peut éventuellement s'activer. En bas, on en a pas. On en a pas. Donc là, le passif de Wakabayashi qui peut éventuellement s'activer, vu que c'est un joueur... Tueur de joueurs non japonais. Voilà. Donc ça, c'est la preuve que le passif s'activait. Sauf et que voilà. Le gardien, il est oui. Japonais. Non, mais justement, c'est le gardien qui... Ah oui, d'accord. Face à des joueurs non japonais. Ah, ok, oui, pardon, j'avais mal, oui, autant pour moi. Donc en tout cas, ça repart sur le côté droit. Pour l'instant, il est libre dans le champ. Ah, quoique, il arrive à se faire rattraper quand même. Joueur. Donc là, pour un peu expliquer le jeu, en fait, en fonction des personnages que tu as, là par exemple, c'est le Tsubasa Kolei face au Santana qui est encore au Brésil avant qu'il aille en Espagne, et bah tu as des répliques différentes qui correspondent à leur époque en fait. Eh oui. Donc là, en gros, le jeu, bah, il a sorti la réplique. Ouais, ça veut dire que ce jeu a un meilleur scénario que les trois quarts des jeux qui sortent sur PS4. C'est... Bah, il est beaucoup travaillé comparé à d'autres jeux. Eh oui. Ouh, la passe qui est interceptée. Peut-être pas. Crois. Ah, ballon dévié. Récupéré quand même par Achoupi. Et Cruyford donc. Qui va continuer. Attention, peut-être là. Il a une opportunité de passe. Non, attention, il a un peut-être peu... interception automatique. Eh oui, elle est là, l'interception automatique d'Ishizaki. Il a pataugé dans les 40 mètres. Derrière, ça part sur le côté gauche. Confrontation sur l'aile. À l'entrée de la surface, toujours à l'entrée de la surface. Donc ça reste une action dangereuse. Eh oui. Derrière. Mais ils sont deux en face. Deux défenseurs, ouais, ça va être compliqué ça. Ça va être très compliqué à contourner.
Cependant, c'est jouable. Ah oui, voilà le premier. Ça, ah, c'est la fracture directe. Ce shoot là, c'est un shoot formable qui est très très intéressant parce qu'il peut expulser jusqu'à deux ou trois adversaires qui se trouvent sur la trajectoire de la balle, je pense. Donc là, le premier est éjecté, le deuxième est éjecté, et derrière. Dans le sac à dos de Khaled. Ça part dans le gardien. Ah, et on a déjà des Genesio d'émission sur le chat. Et derrière, donc encore, le gardien tueur de joueurs non japonais. Et qui va arrêter. Qui l'arrête avec un arrêt 1,50. Et là, au chrono, je crois qu'on en est à la 75e, ouais. Voilà, ça y est. Donc là, il reste 10 minutes. Là, c'est le moment d'activer les full power. Là, c'est le moment parce que c'est le dernier quart d'heure où tout peut jouer. Et je rappelle qu'on utilise donc le format des phases de poule. Voilà. Et que si un match nul, c'est un seul point pour les deux. Donc voilà. Donc aussi, petite précision, attention, action dangereuse. Avec un éventuel but, peut-être pour Badjojo, critique dorée qui s'est activée là. C'est peut-être le but de la victoire qu'on a là. Ah, c'est peut-être hein. Parce que là, le boost de Wakabayashi qui s'active, très peu de stamina qui reste. Mais attention parce que là, ça peut être fatal. Là, Achoupi, faudrait pas qu'il perde parce que s'il perd, il se fait dépasser tout simplement par Badjojo au classement. Et cet arrêt est extrêmement important, on en a pas parlé, mais au classement, Achoupi a 3 points, non, 2 points, pardon, de... Alors attends, que je regarde. Ouais, non, pardon. Achoupi a 4 points, Badjojo en a 3. Bah, donc un nul et une victoire pour Achoupi. Badjojo, lui, c'est une victoire, une défaite. Et là derrière, il s'est fait avoir là, le défenseur de Badjojo avec un Spiralutun. Et là, attention, la dernière percée. Ouh, et très intéressant là, ils sont 3 contre 3. C'est un 3 contre 3 sur le terrain. Là, deux attaquants, 3 défenseurs. S'il se fait intercepter, le match il est fini. S'il se fait intercepter, très fort, le match est fini. Ah, mais là, le rideau n'est pas. Et là, je viens de remarquer que pendant tout le stream, on avait une. Enfin, pendant tout le match, on avait la souris au milieu. Mais bon, c'est... Voilà, c'est les aléas du direct. C'est les aléas du direct. Voilà, bon. Donc voilà, derrière, attention, que va-t-il se passer maintenant? C'est joué très oh, la passe, attention. Et ça y est, c'est terminé. Et c'est terminé, alors il n'y aura pas de prolongation. Il n'y a pas de prolongation, un point pour chacun des participants. Et oui, et bah, du coup, on va pouvoir tout simplement noter score. Et maintenant, donc, on va rejoindre donc Neo Legend versus Peach. Ça va être le prochain match. Contre Mitch. Mitch, pardon. Oui, j'ai dit Peach. Mitch, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, c'est pas un grand souci. Donc, effectivement, les joueurs. Ouais. Alors, ils ont l'air un peu... Non, vous inquiétez pas pour les screens, on est là. Ça y est, c'est noté. Donc, eh bien, du coup, donc on disait Mitch versus Neo Legend. Alors, Mitch est en train de terminer son troisième match, juste avant. Mitch, il est actuellement en train de jouer contre Mysterious. Voilà. Donc, on attend le score. Voilà. Et puis derrière, on va pouvoir effectivement... Effectivement enchaîné, bah déjà si tu peux aller appeler Neo Legend. Exactement. Voilà le temps que ça arrive. Donc en tout cas, vous êtes nombreux sur le chat et on vous en remercie. Vous êtes nombreux à nous suivre ce soir. Donc et ouais, on atteint les 50 spectateurs quasiment. Donc ça c'est cool. Donc en tout cas. Alors, Let's Call, on parlait tout à l'heure, on a galéré comme jamais pour que le stream soit de bonne qualité. Du coup, il y a eu un PC qui fonctionnait pas assez bien, l'image ramait, et puis on a redémarré, on a repris un autre PC avec des logiciels, c'est le son du jeu qu'on n'arrivait pas à capter, ce qui est un petit peu embêtant pour un tel jeu. Et puis voilà, donc on a pu enfin démarrer avec certes une heure écart de retard, mais au moins on est content de pouvoir vous proposer un stream de qualité ce soir. Donc je vous remets l'arbre dans le chat.
Voilà, je vous remets l'arbre, donc les poules, dans le chat. Alors les matchs, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, les matchs en bleu sont les matchs en cours. Les matchs en gris sont tout simplement les matchs qui ne se sont pas déroulés. Un setup, ça se prépare à l'avance, je l'avais dit. Transmettez à Letco. Il a bien retenu la leçon, vous inquiétez pas. Mais ce qui se passe en fait, c'est que maintenant qu'on a le setup, donc avec le cadre, l'image Captain Tsubasa qui est là, en bas, voilà, on a la caméra, etc. Les prochaines fois, en vrai, on a juste à venir, on branche. Donc voilà, on a des câbles USB pour la webcam, pour le micro, pour la capture d'écran du jeu. Et derrière, c'est lancé. Donc effectivement, les prochains streams auront la même tronche que ce qu'on est en train de faire actuellement. Voilà. Donc, en tout cas, on est parti pour 24 participants, je le rappelle, ce soir. Donc, 4 groupes de 6 joueurs. Les deux premiers sont qualifiés pour la phase finale. Et puis derrière, effectivement, on pourra vous montrer. Donc, quart de finale, demi-finale, finale et, bien entendu, le match pour la troisième place, si on a le temps de le faire. Donc voilà, et si vous ne connaissez pas l'endroit où nous sommes, donc nous sommes en direct de l'Extra Life Café, qui est donc un café gaming et manga dans le 5e arrondissement, donc vraiment juste à côté de la rue Mouffetard, métro Place Monge. Et donc on organise beaucoup de tournois, vraiment quasiment tous les jours sur cette chaîne. Il y a du contenu, donc hier il y avait Tekken, demain il y a Street Fighter, la semaine prochaine il y aura Smash Bros, Mario Kart et d'autres encore. Et petite précision, c'est un café sans alcool. Ça c'est la petite particularité. Il y en a qui me regardent comme ça et puis il y en a d'autres qui sont en mode « Yes, c'est bien, tu vois, c'est halal, tu vois. » Donc, voilà, mais on compense avec des boissons de turfu, vraiment. Des milkshakes, des granités, des sirops, on a des goûts que vous n'avez jamais sentis de votre vie. Donc vraiment, si ça vous tente, n'hésitez pas surtout à passer. Et puis de toute façon, quoi qu'il arrive, on refera très 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 certainement un prochain événement sur Captain Tsubasa. Alors, du coup, le premier joueur est arrivé. Ah, c'est pas lui, non, c'est ah, moi. C'est pas lui non plus. Non, ouais, ok. Donc yes, la musique a été coupée, elle tournait en boucle depuis 10 minutes. En soi, la musique est agréable, hein, mais voilà. Non, c'est vrai que. À force. Faut le souligner. Ouais, à force, ça peut être gavant. Club Games, que ce soit sur Captain Tsubasa ou Beach, on a pu rencontrer justement l'équipe. Alors viens le dire là parce que le micro, comme il est pointé vers nous, on ne t'entendra pas là-bas. Alors que les joueurs s'installent. Youssef, ça peut être, tu pourras rentrer le numéro du match sur l'ordinateur là-bas, s'il te plaît. Et petite précision, juste après, remontez la souris. Ouais, remontez la souris. C'est une fois que tu tapes à la fin, voilà. Donc ouais, comme je disais, concernant le jeu, Club Games, ils font un énorme travail, que ce soit sur ce jeu-là ou sur Bleach. On a eu l'occasion j'ai eu l'occasion avec d'autres participants d'assister à la soirée privée de Club Games l'année dernière après la Japan Expo. Et Machuna qui nous expliquait qu'il y avait un réel investissement, un réel boulot derrière tout ça. Déjà, ne serait-ce qu'au niveau graphique, le jeu est énorme. Et même au niveau des musiques, vous expliquez qu'ils avaient une équipe de musiciens qui vraiment, vraiment était au taquet, qu'ils essayaient de reproduire les sons de l'animé original du mieux possible. Alors, ouais. Donc voilà, toi pour dire que Club font un travail énorme. Donc là, alors tiens, on va faire un petit point sur le classement du coup. Ouais. Donc, alors Neo Legend a 4 points. Donc une victoire, une défaite, un match nul. Et Mysterious a 2 victoires, une défaite. Ce qui veut dire que si Mitch, l'autre joueur. Donc il lui a 5 points. 5 points, une victoire, 2 nuls. Ce qui fait que si Neo Legend remporte ce match. Il remonte à la 3ème place. Et derrière, Neo Legend joue contre Bayonet. Donc en gros, Neo Legend, qui est pour l'instant 4ème dans ce groupe, a encore son destin en main. Ah ouais, là il peut éventuellement se qualifier. Et c'est aussi le cas pour Mitch, tout simplement. Donc en gros, parmi ces deux joueurs,
Celui parmi les deux qui remporte ces deux matchs, quoi qu'il arrive, il sera qualifié. Il prend une option sérieuse pour. Voilà, celui qui gagne ce match prend une option sérieuse. Donc ce match est extrêmement, avant de lancer, s'il te plaît. Extrêmement important. Je vais tweeter le numéro de la Rome plus tard. Donc le numéro de la Rome 86 52 80. Je vais le mettre sur le chat. Ouais, aussi. Sur le chat aussi. Donc alors. Hop. Donc 86 52. Allez, bon match. Voilà. De rien les gars, de rien les gars, parce que je vois effectivement vos commentaires, que du love, que du love. Le match il est lancé. Bientôt. Bah là c'est bon de toute façon. Ouais, c'était pour tweeter la room, c'est pas. Bah, c'est bon, je l'ai mis sur le chat la room. Si t'as envie après derrière, bah de toute façon elle est là la room. 86, 52, 80. Donc là en 5 secondes, on peut. Allez-y, là c'est bon, vous pouvez y aller. Donc, voilà. Alors, FC Luc. Alors on va pouvoir placer la caméra comme ça. On est bon. Et c'est parti, FC Luck. Alors le FC Luck c'est Mitch. Le FC Luck c'est Mitch, non c'est Néo. Et la Binous Team, la fameuse Binous Team, c'est celle de Mitch. Donc les bleus sont en bleu, donc ça au moins c'est assez pratique. Donc effectivement, donc Mitch est à droite. Et Neo Legend est à gauche, donc en bleu. Donc là. Et donc on a on a des hooligans. Eh, sécurité, est-ce que vous pouvez me les enlever s'il vous plaît là? Il y a des gars qui sont rentrés sur le terrain. Donc ouais, la précision, pourquoi Nero est sur l'image là, la caméra, c'est parce que les trois font partie de la même confédération. Mugiwara. Donc comme on a pu voir, quelqu'un qui a commenté Mugiwara. Donc c'est des frères d'armes qui s'affrontent. Et le vainqueur. Je le vire la conf. C'est comme ça les gars. Ah ouais, l'enjeu supplémentaire. Ah ouais, ça c'est de l'enjeu. Donc en tout cas, l'interception qui est ratée. Derrière. À l'entrée de la surface, Casagrande contre Santana, qu'est-ce qui va se passer? Que va choisir? Grande, il me fait penser à Rai, un peu. Tu sais, genre, c'est une caricature de Rai, on dirait. Ouais, mais c'est pas les mêmes postes. Hein, non, bien sûr, mais juste visuellement, j'y pensais un peu. Et un petit point commun avec toi aussi, quand même. Yes. Voilà, un petit rappel. Voici ma tronche, tu vois mes cheveux. Regarde la tête de Grande. Voilà, tu comprends tout de suite. Effectivement. Donc on a des messages. Ah, ça c'est vrai que c'est sympa dans ce jeu. C'est que les spectateurs dans la room peuvent commenter. Envoyer des messages. Merci. Des messages, des stickers. Oh, et donc un petit Skywing Twin Shoot S30. Alors en tout cas, je crois qu'il y a des joueurs qui attendent leur match suivant. Ouais, bon numéro. Ouais. Mais le match est diffusé sur la télé là-haut, non? Ouais. Après c'est juste parce que en fait si vous n'avez joué que 3 matchs, ça veut dire que vous avez encore. Ah bah si vous avez fait 4 c'est moi. Voilà. Parce que du coup pour pas qu'on accuse le coup qu'on ait du retard derrière. Ok, donc derrière, Gentile amortit le ballon. Ah, il va partir sur le côté gauche et c'est une interception là qui arrive je pense. Il a pas réussi à le contrôler. Mais c'est récupéré par. C'est récupéré par son coéquipier. Donc les rouges vont pouvoir repartir. Enfin les rouges, ils sont blancs là en l'occurrence. Donc la Binous Team qui peut pénétrer dans les 30 mètres. Le choix des joueurs. Donc Aoi versus Naturezza. Audi versus 1664. C'est tellement léger que c'est vraiment comme si j'avais des allopes. Yeah. Ouh, et derrière, dans les 25 mètres cette fois. Mais est-ce que Tsubasa, dans ce jeu, c'est comme Naruto dans Ultimate Storm qui est pex à mort, genre en mode... Ça dépend, parce qu'il y a plusieurs versions. Donc après le truc dans ce jeu c'est que au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, il y a des nouvelles versions qui sortent, donc les anciennes versions petit à petit elles perdent on va dire en puissance parce que plus on avance dans le temps plus les nouveaux persos ont des meilleures stats. Il y en a une frappe là, donc le gardien, voilà. Le nulleur.
Pleine puissance activée. Pleine puissance activée. Alors que c'est que la moitié de la première mi-temps. Dans le chat, on fait LOL, c'était gratos. Hey, c'est gratuit. Et là... 1 à 0. Qui c'est? C'est la Bilous Team. Donc Mitch qui ouvre le score à la 27ème minute. Mais bon, ouais, je pense ça va, que... Ça ressemble un peu à celui qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, hein, ouais, le match précédent. Rien n'est joué, rien n'est joué. Là, il faut que Mitch, pour se rassurer, se mette à l'abri en marquant un deuxième but. Confrontation 1 contre 2. Ou alors on a Neo qui peut éventuellement... recoller au score. Et oui, mais il en est capable, il en est capable. Alors en tout cas, est-ce que c'est comme dans Ultimate Team où tu as plusieurs versions d'un joueur et selon plus tu payes, plus tes joueurs sont forts, ou est-ce que c'est, les développeurs nous ont épargné de ce truc? Alors le truc c'est quoi? C'est que pour être vraiment compétitif dans ce jeu en termes de PVP, ouais. C'est vraiment le PVP, enfin, c'est mon avis, c'est ce qui ressort un peu globalement dans la communauté, c'est que le PVP il est vraiment orienté pay to win. Ouais. Après pour faire le lien avec FUT, malheureusement je suis pas le mieux placé pour faire bien parce que je n'ai pas forcément un FUT. Mais voilà, il y a plusieurs versions et voilà, le truc c'est que si on veut être sûr d'avoir la dernière version qui sera sûrement meilleure que la précédente. Ouais. Donc soit on reste sur un modèle d'être voilà, free to play et on économise et on choisit les. On économise les Dream Ball qui nous permettent de faire des tirages et on choisit les portails. Donc après on choisit. Ah la tête de Roberto Carlos, je te coupe mais. Elle est. Ah ça a rien. Oh là là. Elle est moins musclée que dans la vraie vie. Ouais, c'est. Elle est moins musclée que dans la vraie vie. Mais donc pour revenir à ce que je disais, ouais voilà, donc c'est soit on est un free-to-play, on choisit les portails. Oh, le tacle. Et oui, le tacle emportera toujours sur le dribble, hein. Ça faut c'est. Oh et derrière, oh il avait le champ libre. Ah malheureusement, mais il n'a pas eu le temps de lancer le 1-2. Dommage. Il a bien fait de faire la passe parce que le Shoshunko c'est pas forcément un bon dribbleur, c'est un milieu défensif, donc il va être bon en tacle, en interception. Et dès qu'il peut se débarrasser du ballon, il vaut mieux le faire. Après pour finalement revenir à ce que je voulais dire. Soit on est free to play, on choisit nos portails, soit on est pay to win et là. On essaye d'écraser le maximum de monde possible. On a le PIB du Costa Rica et surtout les portails. Et sur chaque portail, on arrive à faire tomber le personnage star. Critique, critique hors sur le shoot. Est-ce que Müller va l'arrêter? Moi je dis il n'y a pas but. Moi je dis il n'y a pas but. Arrête Müller. Moi je dis il n'y a pas but. Voilà. Pas but, c'est confirmé. Oh, j'aurais été dans la merde. Shingo Kaiden, joueur dans le but, y'a pas faute, lol. Mais non, mais c'est comme dans. C'est l'animation, c'est. Mais non, mais c'est comme dans FIFA Street, voilà. Et donc, 1 à 0 pour l'instant. Pour la Bilous Team de Mitch, c'est la mi-temps. Et donc, qu'est-ce que vous nous réservez comme changement? Et Neo Legend là. Est-ce que Neo Legend, il va nous sortir un petit as de pique de sa manche pour retourner la situation? Et c'est dommage parce que là, ce qu'on a vu, il a eu des occasions quand même. Tu vois, c'est pas, voilà, il n'est pas resté avec rien. Il a eu des occasions, on l'a vu là, en fin de première mi-temps d'ailleurs. Il a eu des occasions, mais après, le goal de Mitch, on va dire, était à la hauteur. Là, je crois que le match reprend. Ouais, déjà. Alors, déjà, deux changements. Déjà. On a sorti le numéro 9. Donc deux changements de chaque côté. Mitch qui fait rentrer deux galactiques. Et du coup il n'en reste qu'un. Est-ce qu'il compte vraiment achever son adversaire avec ce changement là? Guti, un des meilleurs milieux du jeu. Et donc là, Morientes, un des attaquants les plus cheatés du jeu aussi. Donc à surveiller. Fernando Morientes. À la surprise générale, club, à un moment, ils nous ont sorti un portail galactique avec Roberto Carlos, Guti, Morientes. Ah ouais, non, mais Morientes, il était. Pour moi, c'est Guti qui avait rien à faire dans les galactiques. Hein. Et encore, hein, moi, je. Il était pas mauvais, mais. Quand t'as Figo, Roberto Carlos, Zidane. Non, Makelele, il est arrivé tard. T'avais Casillas et t'avais. Même Michael Owen, à un moment, il a gratté chez les galactiques. Il y avait Robinho aussi. Il est arrivé tardivement, Robinho. Oui, mais bon, après, c'était un remplaçant. Enfin, c'est pas un remplaçant. Ah, c'est ça. C'est un remplaçant de luxe, hein, Gucci. C'est. Tu sais, l'époque des Galactiques avec la police d'écriture militaire, là. Un peu. Ah, une animation très belle, là. Animation très très belle, là, de Gucci. Ah, et l'interception qui est ratée. Non. La deuxième interception qui est ratée. Derrière, donc le ballon est sur tout en haut, là, ouais. Sur l'aile droite.
Et donc là, alors vous voyez des petits logos, des petits symboles rouge, vert et bleu. Donc ça c'est le type de chaque joueur. Voilà, c'est le type, tout voilà, simplement, comme on avec explique. Un système de pierre-feuille-ciseaux. Voilà. C'est expliqué comme ça dans le didacticiel du jeu quand on commence. Et dans le chat, il y a un gars, Gouti, rien à voir avec les galactiques, j'arrive te faire mal mec, attention. De toute façon, moi je vais te dire, à l'époque, même dans PES 3, 4, 5, même les versions modées avec Winning Eleven du Bled, j'ai toujours pris Paris, même quand il y avait Pierre Alain Fro. Donc, tiens, derrière... Aïe. Donc bon, les Galactiques, tu vois, c'est pas ma cam, tu vois. Attention, elles sont très dangereuses, la Morientes qui va tirer. J'adore le réalisme du jeu parce que là il est littéralement à 3 mètres du terrain. L'animation de Morientes, elle est vraiment sublime. Elle est vraiment magnifique, c'est impressionnant. Eh hey, Shingo Kaden, dis-moi, t'es à combien de télé cassées depuis le début de l'année? Là si l'animation c'est que le ballon rentre pas. Si y a but sur le tir de Morientes, ça va dans la lucarne et tu vois le goal qui a la main qui rappe sur le ballon et ça rentre. Mais là tant qu'on est hors jeu. Tu sais c'est comme hors jeu, Néo qui s'est précipité. Voilà, tu vois ce que tu viens de dire là, parce que ça reparle de PES 6 à l'ancienne. Justement dans PES, ils ont démarré ça dans PES 5, il y avait aussi ça dans PES 6. Quand un but était marqué alors qu'il y avait hors-jeu, en fait il laissait la célébration, sauf que tu n'avais pas le texte en bas, tu sais, le texte du buteur avec son âge et le nombre de buts. Et tu voyais l'arbitre de touche avec le drapeau levé. Et du coup tu cramais tout de suite, parce que la caméra elle bougeait pas de la même façon. Tu cramais tout de suite, ouais c'est bon, il y a hors-jeu. Mais bon. Alors après. Est-ce que t'as connu, tu sais genre, quand tu faisais pause, quand tu jouais avec un pote et qu'il allait, je sais pas moi, pisser ou aller chercher une canette ou un truc, tu baissais le son. Genre tu sais, tu enlevais totalement le son et tu tu marquais quoi. Ah oui non mais ça, les coups de crasse en tout genre, hein, que ce soit entre frères, entre potes, entre cousins, on les a tous fait. Hein. Et on demande sur le chat si tu participes au tournoi HMX. Alors non, moi je participe pas au tournoi. Parce que le nombre de participants. Attends. Moi j'aime bien l'annonce de Zitsan là. Parce que les gars chez Konami, il faut. Attends, on en parle. Ça fait 13 ans qu'ils ont foiré la licence, tu vois. Ils ont commencé avec PES 2008 où tu pouvais mettre genre 9 secondes avec la balle pour traverser tout le terrain. Tu mettais des frappes, t'avais des bugs, le jeu il était moche. Et la frappe qui ne passe toujours pas. En tout cas, la frappe Neo Legend qui a du mal face à Müller, effectivement, il a énormément de mal. Et il reste un quart d'heure maintenant. Il reste un quart d'heure, c'est tout ou rien là. Et donc ouais, pour revenir, franchement, la version HD de Konami, les gars, ils ont enfin compris après 13 ans comment récupérer la thune de tous les mecs nés dans les années 80-90 qu'on était. C'est... Limite, je suis sûr, ils vont faire exprès d'avoir des équipes mal faites pour qu'on soit là dans les fichiers options. Tu vois, comme à l'ancienne. Quand tu prenais le Brésil et qu'il avait marqué Roberto Larcos. Roberto Larcos, la légende. Non, moi, c'est Zitane, mon joueur préféré, c'est Zitane. Malheureusement, il n'a jamais eu. Donc, en tout cas, l'entrée du but encore, la Dream Team. Et là, Shingo Kaiden qui parle de Red Card. Effectivement, c'était un jeu, il était énorme. Oh là là, ouais, Red Card aussi, c'était pas mal. Ouais, c'était pas mal. Bon, est-ce que Mitch, il va enfoncer le clou? Ah ouais, là, c'est maintenant ou jamais. Müller qui a plus de stamina. Mais il joue la défense depuis tout à l'heure, Mitch. Hein. Néo Légende qui fait mine de. Voilà. Oh, il est transpercé. Désormais. Ah ouais, là 2 à 0. Là du coup, je j'entends au loin, il y a un autobus qui arrive sur le terrain. Ah mais là malheureusement, Mitch, de toute façon. Là de toute façon, il reste pas assez dans le cercle. Même si Mitch Néo il marque, il aura pas le temps d'en mettre un deuxième. Alors après, la différence de but peut quand même, voilà. Peut quand même jouer, on sait jamais. Néo mais... qui tente le tout pour le tout, peut-être sur un malentendu. Hein. Ah mais il était en difficulté tout à l'heure, déjà. Il l'a récupéré quand il arrive. Au moins le but qui sauve l'honneur, peut-être, on sait pas. Hein. Critique. Ah oui non.
Il a encore full stamina, le goal. Oh là 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 là. Alors sur le chat, ça parle aussi de Libero Grande. Ça, c'était pas mal. Mais vraiment, moi, connu, vraiment, moi je vais quand même dire le meilleur jeu de foot hormis FIFA, PES. C'est les commentaires de Cool Chain dans FIFA Street. Ah, les fameux, les fameux. Voilà, il y a pas de. Voilà. Oh, et encore un petit. Oh là là. On pas les pires ici, hein. Qu'est-ce que tu veux faire contre les. Critique Rembo. Ça, non, mais alors là, Mitch, il a braqué la LUT, la RNG, il a tout braqué. Ah, le bâtard. Matsuyama, ça fait envoyer dans les airs. Et attention, Grande aussi s'est fait envoyer dans les airs. Mais j'arrive plus à faire la voix, tu sais, la voix qui résonne. À un moment, j'y arrivais, tu vois. Ah, est-ce qu'on se rapproche du 3-0? Ah oui, oui, c'est sûr. Oh, goal, 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 goal. Et 3-0, donc les joueurs se saluent. Alors que le match est terminé désormais. Quelle défaite! Deux grosses pointures qui se sont fait. Ah, le jeu il est pas gentil là avec, avec Neo Legend vraiment. Et là c'est Mitz qui prend une sérieuse option pour la qualification. Et oui, puisque là, avec cette victoire. On va rentrer le score. C'est avec cette victoire, il a désormais 8 points. Voilà. 8 points en 4 matchs. Ce qui nous fait, alors qu'on attend encore le résultat du match entre Mysterious et Benet. Anto, 0-0, combien? Donc 0-0. Voilà, et du coup, eh ben, là-dessus, Mitch repasse. Mitch repasse premier du classement. Alors il reste encore un match. Hein. Et quel match d'ailleurs? Donc il nous reste Mitch versus Brinery. Alors Brinery il est en fin de classement avec seulement 2 points en 4 matchs, 2 nuls, 2 défaites, donc ça va être très compliqué. Bah enfin pour Brinery c'est mathématiquement mort la qualification. Mais donc Mitch va devoir assurer le taf. Derrière on a donc Mysterious qui a 7 points, Benet 6 points et Neo Legend 4 points. Donc malheureusement pour Neo Legend, à moins d'avoir un énorme concours de circonstances de malade, bah, il faut un 9-0. Il faut un 9-0 et une défaite de Mysterious et de bah et Benet, c'est Neo Legend qui joue contre lui, donc effectivement ce sera fait. Donc du coup, alors voilà. Donc si Mysterious gagne, Mysterious est qualifié. Si Benet gagne, il faut espérer une défaite de Mysterious. Et si Neo Legend gagne, il faut espérer une défaite de Mysterious large de Mysterious pour pouvoir se qualifier. Donc ça, c'est on a fait le point pour le groupe D. Maintenant, voilà, le ça groupe c'est pour C. le groupe D. Donc, alors pour le groupe C, il nous faut les résultats donc du groupe C. Donc Bad Jojo versus Monda. Je crois qu'ils sont encore dans leur match. Le match est encore en cours. Ils sont encore dans leur match. Austin versus Commissaire, le match. Toujours le match en cours et les points de Choupi toujours en cours. Merci à vous pour ce spectacle. Donc après on va quand même faire aussi un point là-haut là pour les groupes A et B parce qu'on en a pas du tout parlé. Eh oui, alors donc dans le groupe A, on a Lethan, Chain, Zawa, Tommy, Bobby et Waskai. Donc là pour l'instant bon, déjà Waskai c'est mort, Bobby c'est mort. Voilà, ça s'annonce compliqué pour ces deux-là qui sont les deux derniers. Alors derrière, donc Tommy est à 5 points, Zawa à 6 points, Chain à 9 points et Lethan à 10 points. Donc déjà pour Tommy c'est mort. Et alors Zawa et Chain. Zawa a joué tous ses matchs, donc c'est mort pour lui aussi. Donc on a nos deux qualifiés déjà dans le groupe A, c'est Lethan et Chain. Donc il faut juste. On attend juste de savoir dans quel ordre. Qui sera premier, qui sera deuxième, exactement. Donc ça c'est fait. Dans le groupe B, quasiment donc, tous les Sochi, matchs. Sochi, Nero, Arza, Yu Santana. Nanouz Latan et Kay, donc. Quasiment tous les matchs ont été joués, il y a juste Arza versus Nanouz Latan, effectivement. Donc là, on tient déjà nos deux qualifiés, là, ça veut dire aussi, non? Non, pas encore, puisque si Arza gagne. Ah, il peut shipper la place à Nero. C'est ça. Donc, du coup, pour ce qui est des. Des points, alors, Nero, il a 10 points. Arza il en a 8, mais Arza a encore un match à jouer. Donc si Arza gagne face à Nanouz Latan, c'est Arza qui passe deuxième.
sauf que si Arza... Ouais, non. Non, parce qu'il a plus de matchs à jouer, Nero. Donc Arza passerait de 8 à 11 points en 4 victoires. Mais il lui faut uniquement une victoire. Match nul, c'est Nero qui se qualifie. Et Softy, lui, est déjà donc sans problème. Qualifié. Donc pour le groupe C, alors on a eu... le match s'est terminé ou pas encore? Ah ok, vous êtes encore en cours. Donc pour groupe C, pour l'instant, chacun a joué 3 matchs. Mondat a joué 3 fois pour 3 victoires. Achoupi, une victoire du nul. Donc ça fait 5 points. Ossine qui nous fait un beau triple 1 comme Badjojo, une victoire, une défaite, un nul. Donc... Ah, donc les deux sont à égalité avec 4 points. Letko, c'est compliqué pour lui, il a 3 points, deux défaites. Mais c'est pas foutu. Et Commissaire, lui, est en difficulté. T'es en égalité avec Badjojo. Là, on en est... Là, c'est... on est en train de finir les derniers matchs de poule et on va pouvoir commencer les phases finales. Donc là, j'ai envie que vous lancez les phases finales, vous me dites, pour que je puisse, moi, ça tweeter un petit peu. Ça marche, il n'y a pas de soucis. Ok, good. Alors juste, là, ce qui se passe, c'est que le groupe C a un peu de retard et le groupe D aussi par rapport au groupe A et B. Ce qui fait que... Alors, de toute façon, les quarts de finale, c'est simple. Le premier du groupe A va jouer contre le deuxième du groupe B. Et le deuxième du groupe A va jouer contre le premier du groupe B. Donc là, on a eu la confirmation. Et oui, donc l'Etan premier et Chain deuxième. Voilà, donc ce sont voilà, les deux premiers qui vont passer aux phases finales. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que ça va nous permettre, une fois que le groupe B aura terminé, donc Arza versus Nenu Zlatan, de connaître le premier quart de finale. Voilà, et qu'on pourra directement diffuser. Les matchs de poule seront de leur côté. Voilà. Non, pas encore. Et derrière, donc, on pourra diffuser directement les matchs à élimination directe. Donc voilà, donc pour ces matchs-là, ça sera notre ami Ty Godfire qui sera au commentaire avec toi. Allez. Voilà. Qui nous fait l'honneur de sa présence pour cette compétition. Donc, voilà, ce sera lui qui sera au commentaire. Je lui céderai ma place avec plaisir pour qu'il puisse partager. Alors attends, parce que du coup, en fait, comme là, on a quasiment terminé dans les groupes A et B, on a directement des quarts de finale à diffuser. Donc autant diffuser des quarts de finale plutôt que des matchs de poule. Ouais, mais en fait, en bas, c'est les groupes C et D qui, eux... Ils ont leur arbre à eux. Non, c'est pas qu'ils ont leur arbre à eux, c'est que, quoi qu'il arrive, c'est 1A, 2B et 1B, 2A. Et un C, voilà. Voilà. Donc on va commencer. Ah, malheureusement, ce match, c'est pas... Viens, demande l'avis du chat. Vas-y. Voilà, sur le chat, dites-nous si vous voulez voir le match de Ossin et Letko. On vous le diffuse avant de commencer à vous diffuser les quarts de finale. C'est quoi les... On a aussi les qualifiés. Ah bah c'est bon. Et bah à ce moment-là, autant partir. Est-ce qu'on part sur les quarts de finale? Donc ça fait Letan versus Arza d'un côté et Chain versus Softy de l'autre. On peut partir directement là-dessus. Éventuellement. Ah, ça peut être une bonne. Ça peut être une bonne chose à ce niveau-là. Essayez d'économiser pour. Alors du coup, bah le chat, donc l'écart. Bobby, appelle Seb, s'il te plaît. Ah ouais, le chat là, il est. On a un Letko, un l'écart de finale. On a un deuxième Ossine. Deuxième Letko versus Ossine. Et on a un deuxième quart. On sonde le chat pour savoir. On a un troisième quart donc. Donc 3-2 pour les quarts de finale. Allez, hop. Donc, on passe au quart là. Bah, du coup, est-ce quart. Que tu veux m'appeler Letan et Arza? Ce sera notre. Je vais chercher et je vais céder ma place à Ty Godfire. Ouais, donc, bonne fin de compétition, il arrive. Okay. Bonne fin de compétition à tous. Kiffez et on espère vous croiser sur les prochaines éditions qui tarderont pas à arriver, je pense. Et puis voilà. Allez, bonne soirée à tous. Allez, à toutes, Chamix. Donc, en tout cas, c'est la première fois que je commente sur ce jeu-là. Je suis habitué déjà au jeu de foot, on a eu des compètes. Naturellement sur FIFA, mais on a eu aussi notamment Mario Smash Football. Ça c'est le match, ça c'est le jeu de l'enfance, tu vois, le jeu qui reste
dans nos cœurs. Même si je sais que, bon, voilà, moi je suis né au début des années 90, et je sais que notre génération, surtout les rebeux, hein, qu'on se le dise clairement, on a tous une PlayStation 2. On était tous PS2, tu vois. Donc la GameCube, tu vois, c'était pas forcément le bon bail, surtout que la PS2, elle était craquable. Easy. Super, easy. La PlayStation 2, t'as... Mais oui, les non, jeux, mais... Voilà. Et du coup, grâce aux jeux craqués, derrière, eh ben... Bon, moi, mes jeux, tu vois, je les achetais au Bled, je les achetais pour 1€, tu vois. Ouais. C'était le prix du CD et de la boîte en plastique. Tu vois, avec un vieux papier imprimé, tu vois, c'était la version allemande ou néerlandaise, tu vois. T'en prenais des 10 par... Mais oui, c'était dingue. Et du coup, en fait, moi, ce que je faisais sur les jeux vraiment ouf, j'en prenais deux. Parce que du coup, il y en a forcément un qui finissait par être niqué au bout de 2 mois. Tu vois. C'est-à-dire que tu rentrais fin août, début septembre, tu rentrais du bled. Alors par contre, du coup, on va vous bouger parce que on va avoir les quarts ici. C'est niqué. Bah du coup, je vais noter le résultat, comme ça moi c'est fait. 3-0 pour moi. Ok, donc 3-0. Oublie challenge, c'est de la dope. D'accord. Oublie challenge, ça c'est juste histoire d'avoir une trace. Mais en vrai, ouais. C'est pour ça que je te disais, amène-moi le premier du groupe A et le deuxième du groupe B. Le premier du groupe A. Ouais. Ouais. C'est juste le logiciel, il est laisse tomber, il est pété. Donc, ouais, effectivement. Effectivement, c'est. Tiens, tu rentrais en septembre du bled, et puis en novembre, t'étais dégoûté parce que ton CD il était déjà mort. Bonjour, le chat. Eh, Let's Coke est de retour. Alors, vous l'avez adopté, Vanny. Bon, je sais qu'il fait pas partie de la communauté, mais pourquoi pas, avec cette soirée, peut-être qu'il va peut-être jouer un petit peu, s'intéresser à la licence, pourquoi pas. Après, il y a peut-être un peu trop de... En fait, il y a trop de choses à connaître. Non, mais ça met du temps. Moi, je vais pas te mentir. Ouais. Ceux qui me connaissent, les Gacha Games, je connaissais pas tout ce qui est Gacha. Ouais. Donc, loterie. Donc, tu as des joueurs, tu as joué via la loterie, j'ai appris tout seul, grâce à des youtubeurs comme Captain Mav, etc., d'autres youtubeurs. Donc c'est un truc à apprendre, à assimiler, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à assimiler. Et voilà, et GG Letko, merci Shinko Delet, merci. Mais ouais, je suis pas tout seul. Pardon, je suis appelé. Vas-y. Je suis pas tout seul, heureusement j'ai une équipe de choc avec moi, j'ai Tagod, Chami, j'ai mon frère Nanou, j'ai Vanik avec moi. Franchement les mecs, ils ont assuré, je suis vraiment désolé du retard, mais vraiment désolé. Maintenant qu'on a mis les choses en place, peut-être qu'il y aura d'autres éditions, il y aura d'autres éditions, on sera prêt. L'event va commencer plus tôt, etc., etc. On va être propre, on va être bien. Maintenant on a posé les bases pour cette édition. Et voilà. Donc les amis, ce qu'on va faire, on va lancer normalement Arza contre Letan, première quart de finale. Nous on va finir notre dernier match de poule. Donc checker le challenge pour ta gueule. On va présenter le mec que j'aurais pas pu faire l'event. Si t'es pas là, je pouvais pas le lancer. Voilà, avec son beau. Polo de Marseille, c'est le seul Marseille que j'aime. C'est le seul Marseille que j'ai du respect pour lui. Moi, j'ai tout le monde, je vous le dis. Alors juste, je vais te demander de t'installer là parce que je vais ça va. On va juste switcher un petit peu. En plus, t'es un Marseillais, c'est bon là. Non, déjà, c'est le seul sympathique, c'est le seul que j'ai le droit de. Merci. C'est le seul que j'aime. Non, c'est le seul que j'aime. Putain, vous avez pas honte là. Putain, ici c'est Paris, les gars. Voilà. Oh là là. Bon, alors en tout cas, Viens, frère. Du coup, j'ai un match à jouer. Non, moi j'ai un match à jouer en plus. Je prends ma place. Vas-y, installe-toi avec moi. Donc, alors en tout cas, on disait les joueurs. Donc, est-ce que Letan et Arza sont là? Letan est là. Donc, Letan et Arza, installez-vous, les gars. Voilà, vous avez les. Fonce, c'est en face de l'entrée. Mais par contre, si elles sont occupées, on descend tout de suite. Hein. Bah en fait quand tu seras assis on la verra. Vas-y fonce. Du coup donc c'était Letan ou Arza qui vient de. C'est Letan. Et donc est-ce que Arza il est. Ok. Voilà, bah vas-y crée le match en même temps. Et derrière donc on aura Softy et Chain qui sera le match d'après. Prévu donc.
il est là, le plus beau d'entre nous. Avec le plus beau polo du monde. C'est le plus beau polo du monde. Hop, hop. C'est beau. Là, quel. Ah là là, on est bon. Tag BFM. Ah. BFM. Mon classico. Ah ouais. Non mais. En plus, maillot extérieur pour les deux. C'est. Un petit sous, s'il vous plaît. Ah, c'est n'importe quoi. Ah, j'aurais dû faire ça, tu vois. Bon, attends. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur le chat, du coup? Tac tac tac, enfin de belles couleurs, non mais les gars. Merci. Oh là là. Eh, je ne dirai qu'une seule chose. Maïs. Voilà. Enfin, les mecs, ils ont une tête de maïs en pointe, tu vois. Bon, je vais rien dire. En vrai, non, on a une bouteille de shampoing, c'est pas mieux, tu vois. Moi, je pense qu'un défenseur, un Choupo-Moting, ça serait l'idéal pour notre. Ah, nickel. Nickel Chrome, Choupo-Moting. Bien. Y a rien qui passe. Ah là là. Ah là, la magnifique rivalité. Choupo versus maïs. Marocho versus télé. Ah là là. En tout cas, j'espère que personne va exploser son smartphone ce soir après une défaite cuisante. Alors que ça y est, les joueurs sont là. Letan versus Arza. Donc, allez, c'est parti. C'est le premier quart de finale. Et n'oubliez pas qu'il peut y avoir une prolongation, tout simplement, dans ce match. C'est toujours bien de le préciser. Alors, juste, va falloir qu'on mette le numéro de lobby, donc je vais m'en occuper. Alors, le numéro là. Alors, c'est quoi le. Allez, juste pour ça. 21. Les gars, si vous voulez avoir le premier quart de finale, Non, c'est pas celui-là. C'est pas ça. C'est pas celui-là ? Ça, c'est mon numéro de team. C'est un contre. Ah merde ! C'est un contre 65. Ok. Bon, du temps. Alors, répète-moi le numéro, s'il te plaît. Ah, je vais pas montrer qui est ça. Ah, ok. Il est là-bas. Et ça y est. Donc, le match redémarre. Enfin, redémarre, non, il démarre tout court. Donc, Arza qui joue avec Biarritz, et Letan qui joue avec le FC Midgard. Et alors, du coup, là. Letan est en rouge alors qu'il est habillé en bleu. Voilà, donc la petite confusion, mais bon, c'est pas bien grave. Et donc effectivement, Arza qui va jouer en bleu, malgré le fait que le joueur thaïlandais soit tout de suite habillé en rouge. Bon match. Donc ça y est, le match va pouvoir commencer. J'ai envie de la jouer escroc du Canal Football Club. Alors là, on voit un des joueurs qui tient son téléphone à une seule main. Exactement. Ce qui veut dire qu'il est en confiance. Ah, échec d'un coup de lobby, mon cher ami. Alors attendez, je vais remettre le numéro du coup. Alors redites-moi. Ah merde, c'est un 567. Ah, attends. Ouais, parce que si on n'a pas le numéro, par contre, ça va être problématique. 567-266. Alors, 567-266. Ah, donne-le-moi deux par deux, s'il te plaît. On recommence le match ? Non, le numéro du. Parce que là, le match, il a commencé. Ouais, non, mais juste le numéro du. 567-266. 567-266. 5,
266, c'est ça? Oui. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah, 567, d'accord. Donc là, c'est bon? Ah putain, 567. Alors, est-ce qu'on va réussir à rejoindre le lobby à temps? Ça devrait être bon. Ouais, on est bon. On est bon, on est bon. Voilà, bon, bah, les joueurs ont engagé déjà. Roberto sous les ordres de Genesio. Ok, donc ah, j'ai pas vu, on en était à la... On est parti. On en était à la... 8ème minute. Ah oui. Allez, Bernon. Cet arrêt du Waka. Allez, donc c'est parti, le dégagement. Donc ça y est, la passe, voilà, vous le voyez en bas à droite, donc sur le côté gauche. Et première passe interceptée. Oh, il va pouvoir partir. Schneider. Ah, il a failli partir devant le but. On l'a vu. Il est parti devant, derrière, devant. Et il a finalement décidé de revenir dans l'axe. Légèrement en retrait. Et derrière, eh ben, on a un contre deux qui se lance. Que va faire le joueur hollandais? Attention! Un magnifique tir brisé restreint. Et il se fait dégager là, le défenseur. Masué à main qui vole. Oh les pauvres. Oh, on dirait des pigeons à la confrontation avec le Concorde. C'est... Boum. Allez, barre-toi de là. Alors va-t-il nous sortir sur une DIA? La zone de sûreté. Et c'est l'arrêt. Alors les autres affiches d'écart, je vais vous les donner en même temps. C'est juste que en fait, alors, donc on a Chain versus Softie. Donc ça, ce match est sûr. Par contre derrière, vu que les poules C et D sont pour l'instant encore en train de jouer, eh ben on attend. On attend la fin de quelques matchs pour pouvoir donc vous annoncer les matchs exactement. Allez, le Golden Joe de la tour. Se retrouve face à Katz et non, ça passe. Ouais, dis-moi en même temps. Donc du coup... 1-0. C'est parti pour le Neo Tiger Shoot. Bimbo. Alors est-ce que le Muller va résister? Et un critique Rainbow. J'ai le Muller, la main ferme. Il n'a pas arrêté des cailloux pour rien toute sa vie, le Muller. J'écoute. Allez, le meneur hollandais, Crayford. Mais le pas sonique va-t-il passer, bien sûr. Donc 2-1 pour 2-1 pour Mysterious. Ouais. Alors est-ce qu'Ishizaki va faire parler son front face à Napoléon? C'est une interception. Et hop, bloqué. Okay.
C'est reparti pour une seconde duel, Misaki contre Yuga. Et on a le premier. Et là, on sait déjà que Mysterious sera, quoi qu'il arrive, le premier du groupe D. Ouais. L'interception donc, premier avec 3 victoires et un nul. Et une défaite. 10 points donc. Alors attendez, quoique. Attendez, quoique. Non, quoi qu'il arrive, Mysterious est qualifié. Mais si Mitch gagne, Mitch passe premier. Alors est-ce avec que Müller va refaire son exploit? Alors Benet pour l'instant 9 points. Et ça passe pas. 9 points à Mitch. Ah, c'est Mitch perd. Si Mitch perd, ouais t'es bon. Non, non, il a gagné. Il a gagné, victoire de Mitch. Alors il a gagné combien? Il a gagné combien Mitch? 2-0. 1-0, ok. Bon bah du coup Mitch, premier du groupe D, Mysterious, deuxième du groupe D. Et du coup on attend derrière bah, les résultats, les derniers matchs du groupe C. Donc on va revenir quand même au match sur lequel on est là tout de suite. Le match auquel on assiste, alors que la mi-temps est désormais sifflée. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. Hein. Ouais, là on a pris un peu d'avance, mais parce que les groupes sont pas les poules sont pas terminées, mais il y a un match qu'on a anticipé. Voilà, donc vas-y. Donc, alors, eh bien, les deux joueurs très concentrés, 0-0 jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de faille hein, encore. De belles actions face à Müller et Tétable. Ah ouais, mais Müller. Très fort. Ouais, ça c'est du grand gardien. Et du coup, eh ben, le match reprend. Donc les changements. Eh ben, il y a eu un changement. Ah, exactement, le Mizuki qui rentre. Un changement pour FC Midgar. Que va-t-il faire Sawada? Ah, c'est prêt, c'est parti. Est-ce qu'il va tenter la Golden Duo de l'Ato? Alors, Napoléon contre Takeshi. Ouais, je l'ai fait en mode commentaire PS1. Il reste combien de gens pour avoir... C'est parti. Mais juste pour que je ne prenne pas... Et alors, on dit c'est parti. Bah, fais-le dès maintenant. Tu peux le faire dès maintenant. Ouais. Non, il va passer. Il reste une série. Et le Gentile n'intercepte pas. Yuga qui est tout seul, est-ce qu'il va tirer? Il va tirer. Et ben voilà, ça tire. À l'entrée de la surface, c'est bon, j'ai autorisé les tirs. C'est pas du spam de garder. L'arbitre est autorisé. Et donc encore à la frappe avec Müller, encore une fois. Est-ce que le plongeon de Müller finira dans ses propres filets? On va avoir la réponse tout de suite. Et attention la frappe! Ça passe pas. Toujours pas trouvé la faille. Comme quoi, même les plus anciennes unités peuvent être meilleures que certaines. Et là, ça passe dans l'axe. Ouh, et la passe qui va être interceptée. Oui. Donc on repart directement avec le FC Midgar. Dans l'axe, attention, il y a une opportunité, un dernier duel avant. Alors si ce duel est remporté donc par le FC Midgar, derrière c'est la frappe. Derrière c'est la frappe, vraiment, il n'y a aucun défenseur assez proche, à part donc celui que l'on voit tout de suite, à part Robson. Donc attention. Ça passe au ballon de plomb. Oh, le dribble, une fois, deux fois. Et attention, c'est dribblé, c'est taclé. C'est trop facile. Bonne défense, et derrière on a donc une autre confrontation et l'interception ne passe pas. Oh, il est seul devant le but, il va pouvoir faire la passe peut-être, à moins qu'il ait décidé directement de frapper. Et oui. Et... Ah, attends, là, et donc Wakabayashi qui peut sauver son équipe. Extérieur de la surface. La pleine puissance activée. C'est critique des deux côtés. Attention. Et boum. Et c'est le but. Il reste 25
minutes dans ce match désormais. Alors là, mais vraiment, il a pu circuler dans les 20 mètres. Mais c'est tranquille quoi, c'est. Ah là, la défense, le placement était très mauvais, clairement. Et on nous dit dans le chat la Letten Tuck qui a disparu. Et derrière, donc on a encore. Oh, une passe qui va peut-être être interceptée. Non. Et le deuxième, non plus. Non plus. Oh, derrière la balle. Oh là, ah, Shingo. Là. Ah non, on a un duel d'abord. Oh, Shingo contre Gentile. J'ai cru. Et tu sais, au début, j'ai cru qu'ils allaient taper l'arbitre comme au catch. C'est n'importe quoi. Alors là, ça risque de faire mal. Risque de faire mal. On a justement notre jongleur de roue préféré qui va tirer. Même pas une deux. Il s'approche encore un peu plus. Ouais, c'est ça. Une deux. Est-ce que le Letham douterait? Aïe. Un contre un face au gardien. Ah, est-ce qu'on va avoir l'égalisation? Oh, dans la barre! Elle est très probable! Oh, mais attention, le rebond offensif! Et c'est le retourné! La bicyclette! Et Muller, encore une fois, qui va pouvoir maintenir son équipe à flot! Le footballeur qui est envoyé! Attention! Est-ce que Biarritz va se prendre son but? Ah, et ça risque de rentrer! Il a très peu de chance! Oh, le mur. Encore un mur explosé. Kiraya Mato l'avait prédit sur le chat. Un partout. Égalisation du FC Midgard alors qu'il reste 15 minutes dans le temps réglementaire. Et donc là, Biarritz qui repart avec le ballon. Ouh, mais l'interception, non. Il reste un peu moins d'un quart d'heure à jouer dans cette rencontre. Oh, ils sont trois. Alors là, s'ils passent les trois derrière, c'est le boulevard. C'est le boulevard pour déclencher une frappe. Ça va être très compliqué. Ouh, attention. Ah, ça tire de là. Il n'y avait pas de choix. Attention. Il se fait têche aussi. Et derrière, donc, Wakabayashi, le gardien du FC Midgard. N'oublions pas que son passif s'active parce qu'il a tiré en dehors de la surface. Donc. Et du coup, on a nos joueurs. Donc, alors, dans le groupe C, Mandat à 5 victoires, 0 défaites, au calme. Et derrière, c'est Ossine, le deuxième à se qualifier. Le match là, lance-le à côté. Genre, lance-le en parallèle. Et là, on va accueillir après. Mandat Mysterious, ouais. Ce sera un stream et du coup tu peux lancer dès maintenant Mitch contre Mandat contre Ossine, pardon. Genre Mitch, Ossine, tu peux le lancer. Tsubasa qui a récupéré la balle. On se retrouve face à son ami de toujours, Misaki. Oh, que de l'amour. L'amour. Oh là là, mais les gars quoi. Ah, c'est parti. Non, pas le deuxième. Il a plus de stam, je crois. Il a 269 de stam, ça va être compliqué. Oh, et là, ça va être la dernière. Qui garde le suspense jusqu'à bien joué. On va avoir une prolongation. Le Muller qui offre la prolongation au Biarritz.
Et sur le chat, Don Marcolino qui nous demande « Je débarque tout juste. Les vannes sur les cheveux de l'Ethan ont déjà toutes été faites, mais est-ce que j'arrive à temps ?» Ça n'a pas encore commencé. Ouais, ça n'avait pas encore commencé. Attends, parce que... Non, alors, mon date mystérieuse, ce sera ici. Bah oui, c'est pour ça. Ce sera ici, après. Le match en off, c'est Mitch Austin. Et l'autre... Softy Chain. Donc Softy Chain et Mitch Austin off. Donc on aura une prolongation, 30 minutes supplémentaires. Alors, tiens, il y a but en or ou pas? Je me pose la question. Pour être sûr, il n'y a pas de but en or. De prolongation et tir au but si jamais. Parce qu'on reste les tirs au but, ça va être sympa ça si ça arrive. Merde! Merde! Ah ouais. Ah mais là vous sentez là. Non mais il y a de la haine, il y a de la haine dans le regard de Ethan quoi. Miller. Ah. C'est le remplacement. Et ça y est, on va pouvoir repartir. Oh, changement de gardien. Changement de gardien. Changement de gardien. Donc du côté de la team Midgar. Ah, le calce qui avance la balle pour le Napoléon. Non, au Crawford, excusez-moi. Ouais, bon, de toute façon, ils sont blonds, bon, c'est pas la même. C'est la même. Non, ah, c'est... je ne vous soulèverai pas. Je habituellement, pas c'est ce qu'on dit sur les Asiates, alors bon. Tu as autant varier un peu les plaisirs. Attention, j'entends les JW arriver. Oh, le tacle, et non. Et non, non, non. La face de Crawford. Et derrière donc. Ah là là, elle traverse tout le terrain. Profondeur. Aïe aïe aïe. Oh là là, ça a tenté de passer le derrière, alors est-ce qu'Ishizaki va faire parler encore son front? Tiens, est-ce que tu peux juste bouger la souris et la mettre tout en haut s'il te plaît? Ouais, merci. Parce que ça fait 3 heures qu'elle est là. Et donc la confrontation. Ah là là, c'est parti pour les tripes d'Ishizaki. Et le franc. Oh, bien sûr. Oh, ça passe. Oh, et ça repart dans les pieds des rouges. Donc le FC Midgar qui récupère la balle. C'est vrai qu'il s'appelle Alcide. Alcide Pierre. Oh là là, ce blaze. De quoi c'est le rouge? Que va faire le joueur français? T'as fait interception face à un dribble, le dribble passera. Attention. C'est parti. Oh, Roberto, le dribble, il s'est dribblé. Et derrière, alors bon, directement l'interception qui ne passera pas, je pense. Oui, effectivement, elle ne passera pas. Oh, derrière. Allez, allez. Et c'est parti sur le Shingo. Oh, et là. Comme par hasard. Et là, alors derrière, il y a une opportunité de frappe. Non, mais je parle en il y a une opportunité de frappe juste derrière. Tout le monde fait dépasser le Shingo. Ah. Et là, attention. Ah. Et ça part directement dans le but. Là, là, il va s'avancer encore un peu plus pour pouvoir tirer depuis la surface. Le beau jeu toujours. Ouais, le contre. Attention. Voilà, ça y est. Il est dans les 6 mètres. Il va pouvoir frapper. Il a l'avantage du type en plein dans la surface de réparation. Oh, donc ça frappe le montant. Et derrière, le rebond offensif. Est-ce qu'il a passé? Attention. Le retourné. Le gardien Müller. Eh non, c'est Salinas. Le gardien brésilien. Eh oui, il y a eu changement, effectivement. Salinas. Mais c'est du contre-type, est-ce qu'il va... Attention. Il y avait du suspense, mais pas autant que ça. Et il reste juste avant la fin de la première mi-temps. Un quart d'heure. Ça joue sur les nerfs. J'y arrive, désolé. Pas de prolongation, c'est mon train, les gars. Donc ça y est, deuxième mi-temps de la prolongation. Attention à pas avoir un excès de confiance. Hein. Ah. Et donc l'Ethan qui vient de dire ouais mais de toute façon faut que je me barre dans 10 minutes j'ai un train à prendre tout ça
Ouais, deux, ouais, tant pis. Ouais, la pleine puissance désormais activée. Et c'est l'attaque du Kaiser. Ah, ça passera pas pour bloquer Sawada. Ça passera pas. Donc je le rappelle, premier quart de finale. La doublette Sawada Yuga, toujours aussi redoutable. Et pour les habitués de nos streams, aujourd'hui il n'y a pas de loser bracket. Tu perds, tu sors. Voilà, le mode Coupe de France, comme j'aime bien l'appeler. Oula. Ah, il y a quelqu'un qui s'est assis encore sur la planche, ok. C'est pas grave, laisse comme ça, c'est... Ouais, non, mais laisse, mais de toute façon, on en a trop qui se brisent dans n'importe quoi. Ouais, non, mais... Non, le casque enlève ça, mais alors, comme si de rien n'était. Le cure-dent en bouche, c'est pas si crème. Et derrière, oh, la confrontation à l'entrée de la surface sur le côté droit. Et là, c'est peut-être la dernière action. Est-ce qu'il va pouvoir arracher la séance de tir au but? Ah, ça va jouer là-dessus, le choix qui... est en train d'être fait, vous le voyez tapoter son téléphone là. Attention, peut-être le 2-2. Ça va être obligé, vous pouvez pas faire autre chose. Tacle ! Oh ! Bien joué. Ça va se jouer de la là. Part de l'étape. Il se prend la tête. Ça va se jouer. Et là. La frappe désormais, le choix. Désormais, il n'a plus son destin en main. Et donc, que va faire Salinas? Est-ce qu'il va nous faire durer encore un peu plus le suspense? Est-ce que mes ballons mis? Alors, est-ce que l'arrêt va être assuré? Et c'est une de deux! Jusqu'au bout du suspense, mes chers amis! Et on aura le droit à une séance de tir au but! Ah là là! L'étape qui ne pourra pas encore entrer chez lui. À moins que. Ah, à c'est moins terminé que... C'est terminé. Voilà. Tir au but. Comme Coré n'aura pas servi. Ah, les pénaux. Là, ça va être du Pierre Feuille-Ciseau. Très fort face à Salinas. Alors, du coup, comment se passent les tirs au but? Alors, en fait, tout simplement, il y a trois choix. C'est soit sur la gauche pour le tireur, soit au milieu, soit à droite. Ok, bon, voilà. Tout simplement, le gardien choisit sa direction. Donc, une chance sur trois. Et ça passe le très fort qui rentre. Donc Yuga face à Salinas. Attention, peut-être pour égaliser. Oh, un partout. Est-ce que ça va finir comme la finale de la CAN il y a 10 ans, 12-12? C'est une possibilité. Alors, non, pardon, c'était il y a 3 ans, c'était la Côte d'Ivoire. Il va faire l'arrêt, Salinas. Roberto le même qui arrive. Roberto face à Salinas. Ouais, ça passe facile. Le poteau de Roberto, c'est pas croyable, chers amis. Oh là là, il a cru qu'il pouvait faire un retourné derrière, c'est pas possible. Tiens, let's go. Le punch. Du coup, lance Mandat Mysterious, comme ça au moins c'est prêt. C'est pas ça qui s'apprête à tirer. Ah, ils ont déjà lancé. Bon, bah, je prends. Prends le numéro du match alors. Donc, le péno passe. Et il passe en plein centre. Sans problème. Allez. Misaki qui va essayer de ne pas perdre sa jambe sur ce tir. Allez, 2-1. Ils n'ont pas joué encore. Ouais, mais dis-leur qu'il commence à préparer. Ça rentre pour Misaki. Allez, Shingo. Allez, il peut égaliser là-dessus. Enfin, non, il peut. Oui, enfin, c'est le gardien qui peut égaliser, mais non, ça passe. Et derrière. Alors, s'il ne marque pas. Est-ce qu'il va sortir la rose pour pouvoir la planter? C'est le FC Midgard qui l'emporte, mais c'est en plein centre. Ça rentre. Et derrière, donc. Mizugi. Il va falloir qu'il choisisse le. Libérer de ses problèmes cardiaques. Allez, Arza. Est-ce qu'il va pour se qualifier en demi-finale. Est-ce qu'il va sceller? Et c'est
ça colle. Oh les tannes. Le slide mort subite désormais. Ah là là. Oh. Ah là là. Et attention, donc c'est dans le but. Et Sawada pour l'Ethan. Attention, on ne va pas influencer le joueur, bien sûr. Mais là, le choix est primordial désormais. Et c'est l'arrêt. Et c'est le mélodrame pour Sawada. Aïe, aïe, aïe. Sawada, voilà. Et donc l'Ethan qui se qualifie pour les demi-finales. Et non. En plus j'avais dit au début du stream, il est en bleu, ça va me perturber. Voilà. Ça n'a pas raté. Donc en tout cas, Arza. Arza qui se qualifie pour les demi-finales. Et du coup, on va accueillir donc Mandat et Mysterious. Est-ce qu'ils peuvent venir? Mandat et Mysterious donc. Allez-y, installez-vous messieurs. Ouais. Donc twitch.tv/extralivecafé. Voilà, voilà. Et en différé, donc sur la chaîne de Letco. Donc ça y est, les joueurs vont pouvoir s'installer. Oh. Et donc, eh ben, on a un joueur de tablette. Ouais, vas-y, vas-y, à tout de suite. Alors donc c'est Mandat, c'est ça? Non, c'est Mysterious. Et où est Mandat du coup? Il est pas là, j'ai gagné. Bah, il est où? C'est bizarre ça, dis donc. Direct. Donc en tout cas, Mysterious qui joue à la tablette. Bah vas-y, vas-y, crée la partie, crée la partie. Bah, voilà. Tiens, juste, est-ce que tu peux désactiver les phrases C'est toujours un plaisir de jouer au foot avec toi, même si je vais te briser la cheville et tes ligaments croisés antérieurs. Ouais. Bon, vas-y, Letco. Oui. Ouais, juste, donc je disais, tu vois, je lui ai demandé, tu sais, juste l'option pour enlever les dialogues. Ah, d'accord. Voilà. Très bien. Donc pour enlever les punchlines, parce que bon, au bout d'un moment. Voilà, voilà. Donc, en tout cas, il est où, Mandat? Mandat, il est devant toi. Ah bah, ok, s'appelle bah, ça y est, il est installé. Le code, okay. Si vous voulez, c'est le 1975. Il faut que tu le mettes. Je vais aller. Donc, on a dit 1975-26. C'est ça. Allez, je vais le commenter celui-là. Les champions. Là, les gars, les jeux contre Mandat. Bon, Mysterio, je le connais pas. Mais tout ce que je peux vous dire, si vous avez une pièce, voilà. Vous savez aussi chez qui la mettre. Après, Mysterio, ça peut être un super outsider, ça, je sais pas. Mais on m'a dit du bien. Donc, voilà. Il va le gagner ce match. Allez, champion. Attends, par contre, le chat, c'est où est-ce qu'il est le chat? Là, ça trouve, vous m'envoyez des messages. Voilà. Fujiwara en force, je vois MW, d'accord. Qu'est-ce qu'on a? Ok. N'hésitez pas à partager, les gars, le stream. Hein. N'hésitez pas. Alors. Je crois qu'il faut que je switch. Si je dis pas de bêtises. Alors, attends. Non. C'est pas comme ça. Ah, voilà. C'est bon. C'est bon. Force à toi, mon gars. Merci les gars. Force à eux. Je sais pas c'est à quelle scène. C'est quelle scène là. Il a débranché. Bonne chance les gars. Donc j'ai mis ça, est-ce que c'est la bonne scène ou pas? Je sais pas si c'est la bonne scène. Si, t'inquiète. D'accord. C'est la bonne, c'est la bonne. Ah oui. À un moment donné, il a tout cassé, j'en peux plus. Ah quoi, j'ai débranché un truc? Non, c'est dans le match. Ah, d'accord. Non, t'inquiète. Non, parce que donc, j'avais... Ah, oh non. Ah, j'avais switché les scènes. Ah, ok. J'espère que ça c'est pas d'écho. Non, t'inquiète. On est toujours en ligne. Donc ça y est. Alors, c'est parti. Alors, allez. Mise à qui, pardon. Alors, juste rappelle-moi, les Devil Bats, c'est Mysterious.
Alors, oui, je crois, parce que le TTT, c'était bizarre. Ok, donc effectivement, bon bah le joueur de gauche à gauche, le joueur de droite à droite, ça c'est cool. Voilà. Pour le coup, et donc, première action du match. Allez, passe, oh, il se prend la tête, il se prend la tête. Oh, avec un 1,50 en interception. Et oui, bien parfait. Sûr. Parfait, parfait. Là, normalement, ça va être la première, l'une des premières frappes, peut-être, ou pas. Face à un super Roxon. Alors, qu'est-ce qu'il va choisir ? Le dribble ou la frappe ? Ah, il va tirer. Oui. Il est face à la frappe. Attention, le tir. Le tir du feu qui a été arrêté par le tacle S9. Oh, bien joué. Le Soda. Oh, magnifique. Oh, bien joué. Là, c'est du bien joué, les gars. Là, ça va être chaud, là. Donc, en tout cas, le vainqueur de ce match qui affrontera donc Arza en demi-finale. Bon, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. Ça y est. Donc Arta a fait tomber l'étal. C'est ça. 2-1, c'est ça ? 2-2 en péno. 2-2 en péno. Ouais. Par contre, il faut que tu mettes un point. Alors, mets un point à. Ouais, non, bah 2-2, c'est bon ? Ouais, ok. Je te laisse faire. Ouais, je te laisse faire. Voilà. Et ah merde, on a gardé. Attends, j'ai pas vu. Elles sont toujours là, les punchlines des joueurs ou pas ? Ouais, il y a encore. Malheureusement. Parce que malheureusement, on est un peu en retard sur. Ouais, ça. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je crois que c'est dans le jeu, c'est à moi de l'enlever, je crois. Tu sais, quand le match va finir, on va l'enlever. Je vais aller dans les deux. Ouais, mais comme c'est spectateurs, du coup, c'est sur leur tempo à eux, non ? Parce que eux aussi, ils les ont, les. Non, je crois que. Si, ils les ont, eux, les punchlines. Normalement, non. Je dis normalement, non. Ah, bah, à ce moment-là, ça change un peu. À ce moment-là, ça change un peu. Oh, et Binous TV qui nous héberge. Yo. Merci beaucoup. Ouais. Non, c'est pas trop. Oh, et le but ! Et l'ouverture du score de Mandat. Merci. On avait prévenu, c'est un sacré morceau. Et donc il ouvre le score. J'ai même pas suivi. J'ai dû en voir à l'état. Ouais, donc 1-0 pour Mandat. Voilà, 1-0 pour Mandat. Ah, c'est Mandat. C'est Mandat ou Mandat ? Mondat. Mondat. Ok, c'est bon, maintenant on a la présentation. Mondat, c'est bien aussi. Ah, la pleine puissance, désormais. Activé. Je vois que tu commences à bien aimer le jeu. Tu commences à bien aimer le spectacle. Tu vois. Ah, j'ai toujours été là-dessus. Hein, moi, tu me mets un jeu de foot à commenter, je suis toujours à fond. D'accord. Bah, là, en plus, il y a des actions. Il y a des spés, il y a des retournements de situation. Par contre, ça me fait gonner parce que Mizugi, il a qu'un seul œil. Ouais, bah enfin, Santana aussi, non, mais regarde, il profite. Ça, c'est Takahashi, il aime bien faire ça. Il aime bien mettre les cheveux devant devant l'œil. Mais là, les cheveux, ils sont sacrément opaques. Hein. Sébastien, ouais. Allez, ramenez-vous, les gars. Et moi, je suis pas devant, moi. Vas-y. Ah, et donc le tir spécial. Le tir donc frappé en duo. Le défenseur ne peut rien faire. Oh, et deuxième dévie la balle. Ah, mais ça arrive quand même dans les pieds. Donc des attaquants. Donc tout de suite. Enfin, toujours. Donc Mysterious qui a le ballon. C'est Mondat qui a le ballon. RIP et la RNG, ouais. Ah ouais, non mais RNG, il est parti loin ce soir. Ah, la RNG, ça fait mal. Il a dit non. Il a peine puissance activée. On a déjà Mizaki Fest qui est déjà mort. Je rappelle Mysterious qui a le ballon, il préfère passer par le côté droit. Derrière, on a une confrontation, Roberto versus Robson. Et le tacle qui ne donnera rien.
le super NBA entre Roberto et Tsubasa. Le maître et l'élève. Super passe pour Yuga Fest. Qu'est-ce qu'il va faire? Soit il va dribbler, soit il va tirer. On va voir. Avec Gentile Dreamco, qui vient de sortir il y a un mois à peu près. Il y a un mois. Mystérieux qui est coaché par Nero. Et on a avec, encore notre voilà, devant. Notre soutenu devant par Nero. On a encore notre devin sur le chat. Attention, qui fait ouais, crit, Rimbo sur la frappe foudroyante, Raiju shoot. Qui va faire dégager le ouais, pauvre Gentile. Attention. Toi de là, là. Attention. C'est Müller encore. Oh, c'est jamais, on sait jamais. Oh, deux crit Rimbo, deux crit Rimbo. Attention. Qu'est-ce qui va se passer? Oh, et Mysterious, ouais, il a deviné, c'est l'arrêt. Oh, le bel arrêt. Bel arrêt. C'est l'arrêt. Là, je l'arrête de Müller rouge. Allez, Roberto Carlos sur le côté. Allez, la confrontation sur l'aile droite. Sur l'aile droite, attention, Roberto Carlos a une grosse faiblesse et, au niveau des passes. Ah, bah, donc ça, malheureusement, soit il va tirer. Non, même toi, il n'est pas connu pour ça. Hein. Moi, Roberto Carlos, j'ai pas le souvenir de l'avoir vu passer une fois dans sa vie. Tu vois, là. Tu vois, moi je me rappelle de son but du poteau de corner là, de son coup franc contre la France. Ouais, non, le, mais le fameux jeu. Bah c'est ça en fait. Mais tu sais que je l'avais dans mon bouquin de physique une année. Genre bouquin de physique chimie, ça a parlé du coup de prendre Roberto Carlos. C'est incroyable. Tu as effet de la gravité et de l'air, enfin bref. C'était pendant le tournoi de Paris en 97, à Gerland. Ouais, ancêtre de la Coupe des Confédérations. Non même pas, c'était un tournoi qu'ils ont fait histoire de préparer un peu la Coupe du Monde. Mais justement, c'est ça, ancêtre de la Coupe des Confédérations. Alors peut-être ancêtre, ouais, peut-être. J'étais pas la première. Hier, la Coupe des Confédérations maintenant va peut-être disparaître. Ouais, exactement. Elle est vouée à être remplacée par une espèce de super coupe saoudienne des clubs. J'ai pas trop compris ce bull, mais bon. Allez, première mi-temps, toujours 1-0 pour Monda. Mais rien n'est fini pour Mysterious. Donc 1-0 c'est toujours jouable. Maintenant on va faire les. Et là on est entre parisiens là, ce soir sur le fauteuil. Ouais. À part notre invité d'honneur Tagelfire qui est marseillais, qui a fait le déplacement en plus. Donc, on salue le geste. Allez. On salue le geste. De toute façon, sans lui, je pourrais pas le faire, l'event. S'il n'était pas là, je le faisais pas. C'est ça. Voilà. Donc en tout cas, les choix, les conseils aussi, prodigués à Mysterious. Voilà. Avec le gros sourire à la face caméra. Ouais. On l'a vu. En tout cas, est-ce qu'on a... Les gars, est-ce qu'on a les scores des deux autres quarts de finale en cours? Ah, donc, alors, hein, Shane et Softy. Shane a gagné face à Softy 3-1. Et du côté de Austin contre Mitch. C'est l'autre quart de finale. Non mais je veux dire, c'est quoi le score en cours? Vous êtes à combien pour l'instant? Ils sont tellement. Ah, ils sont toujours sur Mitch. 1-0 pour Mitch. 1-0 pour Mitch pour l'instant. Donc Mitch ou Austin qui affrontera Shane. Et le vainqueur du match entre Monda et Mysterious qui affronte Arza. Donc juste derrière. Donc, on verra quel match on mettra. Je privilégierai quand même le match de Chain, puisque on a déjà vu donc Monda Mysterious et Leighton Arza. Cependant, au niveau timing, si leur match tarde, on passera donc. En effet, ça y est, le match reprend. Allez, deuxième mi-temps. Allez, avec Kals Dreamco qui vient tout juste de sortir. Ouais, derrière, il avance pour l'instant au centre. Il reste tout droit. Ah oui, je l'ai vu. Ouais, on l'a vu le petit bug. Le petit bug, là, c'est normal. Bon, en tout cas, Mysterious conserve la balle. Ah ouais, mais là, voilà, ça y est. Bon. Là, on est en confrontation. On est revenu. Ouais. Allez, Misaki contre Misaki. Donc, effectivement, rappel, c'est un jeu mobile. Donc, forcément, gratuit. Les connexions, gratuit. Il peut y avoir des légers soucis, ça arrive. Mais je trouve que le PvP a été plutôt amélioré. Il y a moins de problèmes. De toute façon, même là, problème, vu qu'il faut quand même. Là, tu vois, c'est pas un jeu en temps réel où il faut vraiment avoir des réflexes. Là, il n'y a pas besoin de réflexes. Non. Là, c'est vraiment de la lecture du placement et du choix. Derrière, c'est chill. Allez, Yuga Fest. Donc en tout cas on est à la 55e minute désormais.
Chaque choix maintenant va être décisif. Décisif, chaque choix. Important. Parce que le temps passe très très vite dans un match de Chuba, ça passe très 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 vite. Et oui. Le Raiju shoot. Est-ce qu'on... Tir du tigre foudroyant et peut-être l'égalisation. Peut-être, on va voir. Allez. Non, c'est la RNG qui va décider. Allez, Muller, à toi. Très très fort. La RNG va décider. Allez, est-ce que ça passe? Oh, et je crois que c'est un arrêt encore. Un oui. Arrêt encore. Ah, il est très très fort. Mais on voit les réactions du mystérieux à chaque fois. Il en va. Il se tient la tête là, alors qu'il reste 30 minutes virtuelles dans ce match. Allez, Roberto Carlos contre Tsubasa, 24 sous. Et il y a Prometheus qui salue la commu. Merci. Salut, ouais. Merci à toi. Alors du coup, on a un résultat en même temps. Donc Austin qui a perdu face à Mitch sur le score de 1-0. Donc il part sur une bonne note aussi. Alors très bonne note. Bah, déjà, bonne note. Il a sorti les poules. Déjà, il a passé les poules. Effectivement. Il a passé les poules sans aucun joueur et veut du potentiel. Ça, faut le noter. Ah. Aussi. Merci les poules. Ça, c'est vrai. Là, faut le noter. C'est vrai que ça aide beaucoup les joueurs du potentiel. Et... Alors en tout cas, on va lancer le match suivant juste derrière. Donc ce sera Chain versus Mitch. Voilà. Donc stream. Mitch contre Chain, prochain match. Et ensuite on aura la finale. Le match pour la troisième place sera sur le côté. On n'aura pas le temps. Bah, déjà, après, au pire, ce qu'on peut faire, le match de troisième place, on peut communiquer le numéro bien sûr. Match pour ceux qui veulent le suivre. Bien sûr, ouais. Voilà, ceux qui veulent le suivre, on mettra le numéro sur le chat. Et ceux qui veulent suivre le match de troisième place en même temps. D'ailleurs on fera ça pour l'autre demi-finale aussi. Parfait. Voilà. Comme ça, vous suivez le match que vous voulez. Vous suivez Twitch pour le premier match et sur votre et le mobile pour le deuxième. Voilà, exactement. Voilà. Tiens, on fait du meilleur taf qu'RMC Sport, c'est n'importe quoi. Je te jure, c'est. C'est. Ah là là. Et gratuit. Aussi. Gratuit. Ouais, mais attention, gratuit, mais. Non, le pack de Dream Ball, il a 90 balles, le 200 Dream Ball. Ah oui, bon, ça après. Allez. Pierre. T'es au courant des prix des DLC des Dora Live? Non. T'en as pour quasiment 100 balles et c'est que du cosmétique. Genre c'est que des tenues. Voilà. C'est que des. T'as pas de nouveaux persos, c'est juste des tenues, des stages. C'est les DLC. Voilà, 92 DLC euros. Plus, DLC pur et dur. Allez, donc là, tout de suite, vous pouvez relativiser. C'est vrai. Pour mais... Captain Tsubasa. Mais t'es mal pervers là. On t'a cramé, Mysterious. Oh, super tacle de chien. A ton avis, pourquoi il a ce pseudo? T'inquiète, il y a des trucs à cacher, tout ça. Un sur une face blanche. Bah, allez. Normalement, un petit 1-2 des familles face à ce Calz. Le nouveau Calz qui vient de sortir il y a quelques jours. Donc, on retourne dans le sérieux. Il reste 13 minutes là. Même pas. Allez, c'est les 10 dernières minutes. C'est maintenant ou jamais là pour Mysterious. Allez, crie. Allez, dernière action pour Mysterious. Bien champion. Oh, elle est passée. Soit c'est le gation, soit c'est la victoire de Monda. Ça y est, on rentre dans les dernières minutes de ce match. Alors en même temps, Chain et Mitch, est-ce que vous pouvez créer votre match dès maintenant, s'il vous plaît? Alors, où est-ce qu'il est Mitch? Est-ce qu'ils sont là? Alors Chain, il est là-bas, c'est ça? Non, il est où Chain? Ils sont où les deux? Mitch! Crée le lobby s'il vous plaît. Crée le lobby avec Chain. Crée le lobby s'il vous plaît. Attention. Peut-être l'égalisation. Encore attention, une crit. Oh, encore la frappe du tigre. Attention. Il s'est dégagé. Il s'est dégagé. Attention maintenant. C'est là que tu fais la c'est prolongation là. Champion. Soit c'est allez. Prolongation, soit c'est fini. Allez, c'est maintenant. Allez, ou jamais, regardez-le. Il est extrêmement concentré. Regarde son écran. Contre crit argent. Non, c'est l'arrêt de Muller. Un vrai mur. Le mur, c'est un vrai mur. C'est le mur de Berlin. Le mur de Berlin. Ce gardien, il reste 5 minutes, donc là, faut intercepter attention, maintenant. Attention, là, allez, maintenant. Le choix. Allez, Mysterious, c'est là-dessus. Une action défensive.
Ensuite, je laisserai le micro à Monsieur Tagotfire qui finira le tournoi, finale et demi-finale. Demi-finale et la finale. Et ça y est, c'est terminé. Ça y est, Mysterious qui abandonne. Bien joué, les gars. Voilà. Bien joué, les gars. Félicitations. Ça a été, très serré, Bien joué, les gars. Ah non, mais le match qui ne se termine pas. Terminez au moins le match, les gars. Terminez au moins le match. Ça y est, allez, on termine le match. Voilà. Et donc, mon dar, tu vas pouvoir dès maintenant aller jouer ta demi-finale face à Arza. Ah, 4 tacons en plus. Et du coup, donc, Chain et Mitch, est-ce qu'ils sont là? Chain et Mitch, du coup, le match. Le match est créé, on va pouvoir. Allez-y, installez-vous. Attendez qu'ils finissent, vous allez nous donner les. Ouais, bah je vais prendre dès maintenant le numéro du. Le numéro. L'autre, ça va être. C'est quoi l'autre match en off? Ouais, on va vous communiquer. Match, c'est Arza et Monda, ouais, On va en communiquer dans le chat. Le numéro du match dans deux minutes. Pour ceux qui veulent voir Monda jouer, alors, vous choisissez les deux. Alors attends, juste avant. Ouais, vous avez le numéro du match du coup, les gars? Alors, hello. Donc, Arza Monda. Arza Monda. Bah ils sont là. Vous avez créé Ils vont, ouais. Donc alors. Du coup, Chain. Ouais, t'es bien le joueur de gauche, ça c'est bon. Voilà, on est bon là-dessus. Ok, donc, c'est la demi-finale. Chain SG versus la Binous Team. Et on revient avec le Marseillais encore. On est là. Ah là là, tu veux pas. Salut tout le monde, ça coupe assez bonne soirée. Tu veux pas mettre un vrai truc en plus? Comment ça, un vrai truc? C'est-à-dire un maillot, c'est un Ligue des Champions? Non, je peux pas porter. Ah. Allez, champion. Dis-moi, est-ce que t'as le ticket de caisse de la Ligue des Champions aussi de Marseille? Je sais pas, non, je crois pas qu'on ait voulu ça là. Je sais pas, parce que moi je vois pas d'étoiles. Non mais c'est authentique, tu vois, y a pas d'étoiles sur ton maillot, c'est bien. C'est franchement maillot, authentique. C'est polo. Ouais, c'est le polo d'entraînement, c'est machin. Polo avec le... Écoute, Mitroglou il a joué avec ça, donc ça passe, ok? Et non, même pas, parce que ça c'est le maillot d'il y a 6 piges. Ça c'est le maillot d'il y a... Ça, c'est le maillot d'à l'époque où quand on allait à Barcelone, on perdait pas. Ah, il passe. Et ouais, putain, il m'a vendu du rêve ce mec. Hein. Malheureusement, il nous a fait une gourcuffe, la blessure. Donc ça y est, c'est parti. Allez, Misaki. Chain contre Mitch. Here we go. Allez, en même temps, si vous avez le numéro de notre match, comme ça, on s'en balance. Alors est-ce qu'Ino va lancer son tornado shoot? On va éjecter deux. Ah, c'est possible. Je pense qu'il est bloqué. Vous avez le numéro du... Non, il le lance. 307. Il le lance le tornado shoot. Merci. Il a le tornado shoot. Ah là là, ça a volé. Non, derrière. Ah là là, ça vole aussi. Et gentil et au loin. Allez, salut. Allez. Ah, Salinas. Le Salinas. Non, c'est... Oui. Oh là là, la fatigue. Non, j'ai pas joué. Stéphanie. Ouais, Stéphanie, ouais, c'est ça, exactement. C'est pas Biarritz. C'est pas Biarritz. C'est pas la Binous Team. C'est le Challenge. Allez, champion. Allez, Santana. Aïe, aïe, aïe. Encore un énorme big up pour Mitch qui, malgré la maladie, est là et défend fièrement ses couleurs de la Binous Team. Ça fait plaisir d'avoir un autre Marseille avec nous. Et on a gagné en plus. Et on a gagné. Facile, hein. T'as vu le petit contre Nîmes. Non, c'était Nîmes ou Reims. Non. T'as vu ça? 94ème.
La double frappe. Voilà, le tir jumelle. Oh là là. Enfin non, le tir jumeau du coup. Ah là là. Là c'est bien salinage. Jeu de mots. Là c'est bien le tir jumelle. Le tir jumelle qui a fait s'effondrer le défenseur. Ah là là. Allez, rentre celui-là. Des Brésiliens. Ah, je vais finir comme Bigard, c'est n'importe quoi. Ah là 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 là. Ah, je vais finir en steak, laisse tomber. En roue libre. Aïe aïe aïe. Et on me dit qu'il y a déjà deux mecs de la BRI qui m'attendent à la sortie. Ça part derrière. Ça passera pas. Le VIP ne passera pas. Oh. Ah, Roberto qui récupère le ballon. Ah, il nous a fait une Koro Sensei là. Moi j'ai bien aimé. Potentiel sur ce chemin, incroyable. Voilà, Roberto face à Pierre, face à Galvan aussi, face à Tsubasa. Aïe aïe aïe, non, ça passera pas. Le tacle papillon. Oh, attention. C'est le full power qui est activé. Allez, Tsubasa contre Akai. À l'avantage du type. Oh là là, là on voit le full power. Ouais, c'est vrai qu'il a un maillot de l'équipe de France, le gars. Vas-y, Tsubasa. Et c'est raté. Le drive pass qui passe. Ah là là, Santana sur le côté qui repasse dans l'île dans l'axe. Attention. La l'amorti a volé. Ça sent l'amorti. Ah non, c'est l'amorti. Ça va être une frappe. Et il va pouvoir déclencher sa frappe. Allez, il reste appuyé sur allez, carré. Aïe aïe aïe, c'est parti. Les puristes, Rond, ne me parlez pas de Rond. Ouais, non mais ceux qui frappent avec Rond là, je vous parle pas, mais c'est bon là. On sent l'amour de PES. Mais oui, mais oui, mais oui. Mais bien sûr, bien sûr. Exactement. Putain, mais dans FIFA 50, tu auras encore l'alternative. Ça va être. Ils vont mettre carré pour tirer directement. Aïe, aïe. Est-ce que Miller va résister? Attention. Et c'est bloqué. Ouais, mais en fait, ce qui va être gaulerie, c'est que dans les prochains PES, King Kong a encore frappé. L'alternative de PES, ça va être la config FIFA, tu vois. Ouais. Parce que Konami, c'est obligé. Tu vois, pour attirer les millennials, les mecs qui ont grandi avec FUT. Tu vois. Et Müller qui fait un match. Mais Müller, je l'ai vu prendre un but de toute la soirée Müller. Ah, c'est n'importe quoi. Ah là, ça part loin. Salinas, oh, c'est bloqué. Et c'est la fin de la première mi-temps. 0-0, le suspense est encore de mise. Eh oui, il y a eu pas mal de frappes hein, malgré tout, d'un côté comme de l'autre, c'est ça le. Les joueurs sont en train de scruter leur banc, voir qui vont faire rentrer. Et donc on est là, toujours le Parisien et le pas Parisien. Oh là 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 là, pourtant on m'avait dit que les Parisiens étaient sympas. Mais bon, bah je suis sympa, hey, je te parle. Alors refaisons notre accent, c'est pas vous. Ah, ah voilà, moi je, quand même, écoute. Ah, c'est que non mais pour l'anecdote, je suis parti il y a quelques années, j'étais parti 2 jours à Marseille, rejoindre de la famille. En une demi-heure, je parlais déjà comme ça, sans même y penser. Tu vois, tu as la famille. Voilà. Ah, mais c'était n'importe quoi. Voilà. Alors, la Binous Team qui repart avec le ballon. Misaki contre Victorino. Victorino, joueur argentin, je crois. Uruguayen plutôt. Uruguayen, voilà.
toute façon, l'Argentine et l'Uruguay. Attention. Y a qu'une rivière entre les deux. La bise à nos amis uruguayens. Voilà. Donc bon, ouais. Non mais c'est vrai, en plus la frontière entre les deux pays c'est la rivière Uruguay. Enfin c'est le fleuve Uruguay. Ah là là. Yuga contre Misaki. Et le tacle, bien joué. Parti. Ah là. Hier Misaki. Oh là là, cette face magnifique. Eh, ça n'ira pas loin. Ça n'ira pas loin. La magnifique interception de Misaki. Alors là, on est dans une deception. Misaki contre Misaki. Oh là là, non, ça ne passera pas. Ah, le drive shoot, il t'a tenté de silhouette. Pas choix, il va s'éliminer. On a rien dit, tant que l'arbitre ne siffle pas. Tant qu'il y a pelouse. Oh, et l'arrêt! Ah, l'arrêt de Müller encore, incroyable! Gardien allemand qui laisse rien passer. Voilà. Comment Galvan va sortir cette situation face à lui? Ah, et ça passe là. Oh, attention. Allez, Roberto. Passe au ballon de plomb qui a été décerné par la communauté Robson. Voilà. Là. Oh, et le tacle qui ne passe pas. Le kilomètre élève du rêve. C'est là que tu marques. La beauté. Je confirme. C'est un vrai plaisir de voir ce Roberto jouer. Qu'on n'a pas. Qu'on n'a pas. J'espère à chaque ticket, c'est clair. Ah là là. Ah, que se passe-t-il, messieurs? Ah, ok. Ah, et la patience. Ouais, non, là, il n'a pas été très patient là tout de suite. L'arrêt, cependant, l'arrêt acrobatique. Oh, l'interception qui est ratée désormais. Ça part sur le côté droit pour Chain. Allez, Mitch qui doit faire un choix. Ça y est, c'est fait. Et on va partir sur un tacle, je crois. Et oui, magnifique. Magnifique tacle. Et derrière, donc le défenseur de Chain qui a pu revenir et lancer un nouveau duel face à Mitch.
Et au Binouze FC. Le tacle qui ne passe pas. Mitch veut continuer. Et c'est la passe derrière. On part. Allez, sur un 1-2. Shingo Tsubasa. Allez. Et hop. Récupération de la balle. Et ça allait très vite. On a à peine eu le temps de regarder le terrain. Et déjà, on a une frappe. C'est parti. Le rebond offensif. Donc sur le montant. Après la transversale. Le retourné. Ah là là, qu'il honore les pièces de Tsubasa. Et donc Salinas. Salinas. Et ça y est, et fin du temps réglementaire donc. Et Salinas qui a sauvé Chain là-dessus. Ouais, ils sont en train de la jouer en même temps. D'ailleurs, tiens, combien de, il y a combien sur la deuxième demi? D'ailleurs, le score là, tout de suite, si quelqu'un l'a. J'ai envie de stade sur le stade. Donc en tout cas, oh, ce sauvetage. C'est clair. Ah là, au dernier moment, bien joué, bien joué. C'est bon, c'est... Ouais. Je sais pas si vous vivez comme nous on le vit, mais en tout cas, on voit du très beau jeu. Oh, et donc, Monda qui mène 1-0 et qui donc fonce en finale. Tiens, d'ailleurs, Letko, si tu remontes, préviens Greg que la finale est dans 5 minutes. Tu sais, quand tu remontes, hein, en Chine, ouais. 5-10, ouais, 5-10. On apprend en Chine avec la remise de plein de 2. Ouais. Passe de Pierre. Oh là là, ça élimine des autres. Santana versus Gentil. Et donc encore une autre, un autre duel. C'est Chain qui a la balle. Qui du Brésilien ou de l'Italien va pouvoir gagner ce duel. Mais pourquoi il a une tenue d'arbitre même, le Rital? Ah, la Juventus. Ah, ok. La Juventus. Ok, ouais, ouais, c'est... Non, mais parce que... Hey, en fait, la Juve est tellement habituée à négocier avec les arbitres que maintenant, ils prennent leur tenue, carrément. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est plus rapide. Hey, let's get win shoot. Dédicace au coup de hanche de Cristiano Ronaldo. Oh, bon, 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 bon. Alors, est-ce que le Müller va faire respecter sa supériorité? Allez, ça le bloque. Est-ce que le gorille va encore faire rugir? Tu l'arrêtes, le gorille! Sur la frappe! Ça ne bloque pas, mais c'est suffisant pour dégager. Sur le Hakai, qui envoie sur Roberto. Ah ouais, là, ça allait... Oh là là, c'est ouais. Pour première période. Et ça y est, ça enchaîne direct. Morientes pour Roberto. On n'a pas le temps de respirer durant ce match. Allez, derrière, la passe sur le côté. Guti. Guti avec le ballon. Hey. Et Guti qui a une barre pleine. Santana qui a une barre vide. Exactement. C'est dans ces moments-là. Ça peut jouer, ça peut faire beaucoup pas sur la balance. Ah ouais, ça, c'est vraiment le moment. Donc en tout cas ce match qui tient toutes ses promesses. Oh, ça part en passe qui n'est pas intercepté. Derrière, autre confrontation, Aoi contre Victorino. Allez Michu. Donc toujours Mitch qui a le ballon. Que va-t-il faire? Va-t-il tenter le 1-2 avec Tsubasa? Pour se rapprocher. Oh, et donc le 1-2 qui part. Hey, hey. Allez. Voilà, ça s'approche. Ça s'approche dangereusement. Oh, attention là. Oh, allez, allez. Oh, il est passé.
il a passé. Alors non, en réalité, il y a eu voilà, c'est la connexion. La connexion. Voilà, vu que là on est en mode spectateur, effectivement, il y a dû avoir un léger ping et du coup, en réalité, à aucun moment il a dribblé 4 mecs sans rien. Allez, c'est la frappe du match, Salinas qui sauve son équipe. On arrive à la fin du match à peu de choses. Il va tenter peut-être le tchou. Allez. Le tout pour le tout, Schneider. Il a pas le choix. Le tout pour le tout, Schneider. Il faut le tenter. Allez, que ça passe. Aïe. Et la dernière frappe. Le tir du feu. L'arbitre, il a tiré deux fois. Et Müller, ouh, la barre de Müller, vidée. C'est le duel d'Allemagne. Et c'est quand? Oh, et on a eu un score. C'est suspect. Et ça va se jouer sur une séance de pélo désormais. Ils veulent faire ça durer jusqu'au bout de la vie. Ça cache. Ah bien sûr que ça cache, bien sûr que ça cache. Bien sûr que ça cache. Les deux. Allez. Et donc le tir à gauche qui est arrêté. C'est ça. Roberto Carlos. Il est pas là pour enfiler des perles. Allez, ça va à gauche. Oh là là, encore, mais ça a voulu tenter la panenka. Ouais, ça va à gauche encore. Ouais, non, là, l'angle de la caméra qui m'a trompé. Victorino maintenant, face à Müller. Et. Oh là là, le réponse du berger à la bergère. Et Müller qui se prend le premier but de sa vie de... dans ce match. Oh là là. Et ça, c'est la réponse du mouton au connard de parisien qui klaxonne en 4x4 en montagne, tu vois. Allez, bim. Oh là là. En plein centre. Orientes. Allez. Fernando. Et... Allez, ça passe. C'est dedans. C'est dedans, allez. Donc légère avantage pour Mitch. S'il l'arrête, j'ai une première option. Allez. Allez, là c'est une opportunité pour Chain. C'est une opportunité pour Chain. S'il l'arrête, il revient à égalité. Non. Oh, ça part sur le poteau. Et donc il y a égalité désormais. C'est pas possible. Égalité. Ah là là. Dernier. Attention, et c'est dedans. Et c'est dedans. Et désormais, allez Tsubasa. Allez Olivier Hatton qui peut sauver son équipe. Allez. Et c'est dedans. Va donc partir en mort vite. Oh là là. Une place en finale. Je vais vous dire que l'ambiance ici. Allez, qui va affronter Monda, on va le savoir dans quelques instants. Donc c'est rentré. Chimbo qui s'apprête à tirer. Et la frappe qui est partie très vite. Attention, c'est dedans. Septième tir désormais. Allez, Crayford qui s'élance. Tu l'arrêtes, lui là. Auto. Et non, c'est dedans. C'est dedans encore. Allez. Mais un léger avantage du coup hein, pour Chain. Pression. Et ça continue. Ouais, pression est huitième. Huitième. C'est exactement ça. Et le huitième est la frappe. Et c'est bon. Ça continue. Oh là là, en tout cas les attaquants là vraiment qui savent lire. Vraiment très bonne lecture. Attention désormais. Voilà. Oh. Et donc
caché, Shane. Shane. Carlo Shingo qui rentre pas à la fin. Qui se qualifie pour la grande finale et qui va affronter Monda. Le Mitch. La bimoutine. Alors du coup, Mitch, Mitch, tu vas quand même jouer le match contre la troisième place face à Arza. Alors qu'on va lancer directement la finale, Monda versus Chain. Donc alors, la grande finale se fait sur le stream. Et la petite off. Ouais, en effet, donc on va attendre le résultat. Donc en tout cas... Là, c'est la finale. Chain. Ouais, c'est ça. Donc, effectivement, Monda était en 3. Et Mitch contre Arza, donc. Ouais. Oh, yo, yo. Oh, mais. Ah, mais là, en même temps, il dominait Chain sur les trois quarts du match. C'est lui qui a eu le plus d'occasions, hein, mine de rien. Isabelle Muller a fait un gros bon match, mais ça s'est joué. Salut à tous. Non, t'inquiète. Non, y a pas de soucis, venez. Venez, bien sûr. Moi, je m'occupe juste d'appuyer sur les boutons. D'accord. Clairement, là, ça y est, sur la fin. Ça marche. Bah, du coup, c'est toi ou quelqu'un d'autre qui commente? Ok. Bon bah le... Ah, le commissaire, salut. Bon bah le provincial. Merci encore pour tout. La sardine, comme on dit à Paris. Exactement, mais nous on est fiers. On est fiers. Ah là là. Vous êtes dans le ventre, vous êtes dans le ventre mou, mais vous êtes fiers, c'est bien ça. Ah exactement. Ah là là. C'est ça le supporterisme. T'inquiète, moi aussi, hein, j'ai connu les époques Pancrate, Diané, Pierre Fanfan qui met un coup du scorpion face à Porto. Ah, c'était les souvenirs. Donc en tout cas, on va pouvoir montrer le trophée. Donc effectivement, la carte Tsubasa Cup Paris 2019. Voilà la cup. Voilà, ça va être sur la table. Et finaliste comme en Ligue des Champions. C'est quoi, mets-la sur la table tout de suite, mets-la en plein milieu. Tu peux reculer un peu, histoire qu'on sente. Ouais, bien sûr. Donc voilà, la coupe est placée. Allez, on va pouvoir... Voilà, c'est vos têtes qu'il faut qu'on voit. Moi, la mienne, limite... On l'a trouvé. Ouais, voilà, on va dire ça. Donc en tout cas, alors, le monde. Alors qu'on va pouvoir lancer cette finale, eh bien, on attend que les joueurs s'installent. Je m'appelle Monda. Monda contre Chain. Alors, installez vraiment en angle droit comme ça. Comment? Quels sont vos pronostics que vous venez d'aller voir sur le chat? Non, non. Ouais. La chaise face à ce côté. On veut vos pronos là dans le chat. Voilà. Et l'autre pareil. Ouais. Ah d'accord, ok. Voilà. Comme ça, on les voit bien. En même temps, eux, voilà. Est-ce que tu peux nous afficher le chat, s'il te plaît? Ouais, bien sûr, il est là. On leur a demandé là, leur pronos pour la finale. Donc n'hésitez pas à donner vos pronos là sur le chat. On attend le... Ok. T'as annoncé? Ouais. 127-004. La finale tant attendue de la première édition. La Tsubasa Cup. Juste la souris tout en haut après. Première mais pas dernière. Exactement. Voilà. Ouais, là. En haut au milieu. Merci encore à tous aux participants. Ouais, c'est good. Mitch, il va faire un coucou à la caméra. Ah, et Mitch quand même. Même malade, il a fait un parcours de folie. On peut vous dire qu'il a duré sur le physique, mais il a tenu. Mais bon, Müller, il a pas pris un but pour Müller. Exactement. À part en tir au but, bien sûr. Il n'a pas perdu, tu sais ce qu'on dit. Défaite sur tir au but, c'est pas une défaite. C'est le tir au but, il rentrait le dernier. C'est quoi la photo? Vas-y, prends la photo, je vais tenir le trophée. En tout cas, merci à tous pour votre participation, pour votre soutien. C'est comme ça, tu vois. À l'Edco, à toutes les équipes. Sans qui, ça aurait été difficile. Avec Travail Café, nous avons reçu à nos partenaires. Vraiment, merci à tous de votre soutien. Cormedia, ADN, Extra-Défi, Okawa. On vous remercie parce que vous êtes des soutiens. Vous ne pouvez pas imaginer le bien que ça nous fait au quotidien. Et grâce à vous, tous les 5 premiers dans le classement vont pouvoir avoir des cadeaux, de très très beaux cadeaux. C'est clair.
Ça c'est grâce à ADN, Core Media, Okawa et Extra Life Café qui nous accueillent dans leur fantastique locaux. Franchement, n'hésitez pas à venir faire un tour parce que ça vaut le détour. C'est la finale, les gars. Donc, on a la salle, elle est en train de se remplir là, je dis au chat, donc on a du 2-1. Ça y est, le match est lancé. Voilà, ah, on va avoir une ambiance c'est de folie. C'est parti pour la finale. Pour le chat, est-ce qu'il y a moins de partir? C'est pas les filles ou moins? Alors, dans le chat. Les matchs 3ème place. Donc là, dans le chat, je vais vous mettre la room pour le match de la 3ème place. Donc, Micha. Donc c'est Mitch contre qui? Mitch contre Arza. Voilà, Mitch contre Arza. Donc la room, c'est le numéro combien? 753. Ouais. 806. Voilà, voilà. N'hésitez pas à aller voir ce match pour la finale et la petite finale. Non, non, laisse, t'inquiète. Allez, c'est parti, la petite finale qui commence. Aïe. J'espère que vous avez vibré comme nous. Et c'est parti. Donc alors, ok, c'est voilà, là, qui commence. Jean-Pierre. Pierre qui affronte Schneider. Pierre qui a un passif dans cette zone du terrain. Exactement, exactement. Maître du milieu de terrain, donc toutes ses stats sont boostées. Qui arbore son beau maillot de l'équipe de France avec les deux étoiles, ne l'oublions pas. Attention, sa passe artistique qui passe. Est-ce qu'elle passe? Oui, elle passe, bien entendu. Son passif, elle passe. Santana face à Crevaud. Pierre, World Cup, deux étoiles. Ce Crevaud qui aura fait trop énormément de dégâts. Ah oui. À tous les adversaires que Shane aura croisés. Attention, la menace de Santana. Aïe. Le deuxième joueur expulsé là, qui s'est pas envoyé valser. Donc je rappelle dans le chat, on nous a mis le numéro de la room. Du match pour la troisième place. Ceux qui veulent voir Mitch en même temps. Attention Muller qui s'élance. Si vous regardez les deux matchs en même temps, vous pouvez les voir. Et son Muller avant, et le Moulin qui capte tout. Ouais. Qui capte tout ce Muller là. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Ne serait-ce pas une Dreamfest cachée? Alors bien caché. Peut-être caché, mais dans ce tournoi il a fait. Il aurait été d'une dans Dreamfest. Hein. Il a été très très beau. Misaki Tsubasa, le duel, la Golden Joe qui s'affronte, le duel de deux frères. Oh là là, il la touche et qu'il la récupère. Voilà, ça passe. C'est deux vies. Ok, c'est Shane qui récupère. Il enchaîne les coups. Aïe. Et c'est Ino. Notre ami uruguayen japonais. Alors dans le chat, on promet une très très grosse récompense à Monda s'il gagne. Ah, je dirais pas quoi, mais ça va être une récompense qui s'appelle Monda si tu gagnes. En tout cas, que ce soit Monda ou Chen qui gagne, le principal, c'est qu'on ait un très très beau match. Ouais, exactement. Et ça tient ses promesses. Pour l'instant, ouais, c'est le cas. Ça tient ses promesses. Ah, le contrôle excellence. Et non, il est bloqué par Roberto Carlos qui se met sur sa route. J'ai envie de te dire, Cham, est-ce qu'il t'a fait vibrer ce Roberto Carlos? Il m'a fait vibrer dans ma jeunesse, dans le jeu, sur YouTube, il m'a toujours fait vibrer. Ah, le tac, ah là là. Ah, ben oui.
si on m'embête, je sors mon dîner. En tout cas, on est d'accord pour dire que l'animation des Galacticos, que ce soit Morientes, Gucci ou Roberto Carlos, ça sonne vraiment à couper le souffle. Ah oui, ça c'est clair que Clap n'a pas lésiné dans les moyens. Ils sont vraiment donnés un fond. C'est parti, et voilà, Choupo Show. Boum. Exactement. En tire ses doigts, pirouette, cacahuète. Ça la passe au-dessus du crâne de Roberto Carlos. Victorino qui est à l'entrée de la surface face à Pierre. Des avantages de type, mais on aura peut-être une petite surprise. Très costaud. Eh ouais, je confirme du ça. Hein. Les spé des Galactiques, c'est vraiment le feu. Hein. Ah, ils nous ont sorti ça, tombé d'un camion, Club, on s'y attendait absolument pas. Et ça va, ça, la ça Golden Duo, oh ben non, ça passe pas. Golden Duo uruguayen. Oh là là, mais ça ne passe pas. Là, il y a un petit bruit qui nous a fait comprendre qu'il y avait un des deux qui était en full power. Là. Est-ce qu'il va le prendre avant la fin de la mi-temps ou pas, le full power, celui qui l'a? Ah, le jouer là à 7 minutes de la fin. Ça serait un peu le gâcher, je pense. Gâcher ou alors prendre l'ascendant psychologique sur l'adversaire s'il venait à marquer. Surtout les buts avant la fin de la première mi-temps, il faut non, mal, non, 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 ça ne sert. Les deux joueurs qui se mettent une concentration. Ah non, non, les deux joueurs, les plus pros pour la scène sport au max. Match intensité au max aussi là, c'est... Oh là là, mais... On a une belle finale, enfin, on a vraiment une très très belle finale. Hein. Voilà là. Le Skyway Pin Shoot. Bien sûr. Roberto qui leur a enseigné ce coup de shoot. Alors, on est d'accord pour dire que c'est le dernier shoot de la mi-temps. Ça c'est passe ou ça casse. Certes. On va pas prendre la forme psychologique. Chain. Attention. Et aïe aïe aïe, ça. Oh oh, final, Munda qui ouvre le score. Voilà, oh, tout un décontraction. Munda qui ouvre le score. Ah, on a une finale qui est vraiment bien partie là juste avant la mi-temps. Avant la mi-temps. Tout mauvais moment hein, pour encaisser un but. Mais bon, rien n'est joué. Et attention, Shane. Shane nous a montré qu'il a des ressources. Et là, il le tente. Au culot, ça peut passer. Hein. Au culot, il faudra plus que du culot, à mon avis, pour pouvoir. Du culot et une bonne RNG, je pense. Hein. Ah. Oh, c'est l'arrêt roulé avant. L'arrêt roulé avant, on n'a pas frappé. Donc alors ton avis sur cette première mi-temps? Mais écoute, très intéressant, c'est aller d'un côté comme de l'autre et puis voilà, c'est ce qu'on avait annoncé, tenter le tir juste avant la fin de la première mi-temps et c'est passé, c'est rentré. Est-ce que ça va jouer sur l'aspect psychologique du match en seconde mi-temps? La question est là. Bah là on attend et, de voir si... Shane n'est pas à prendre à la légère, bien au contraire, il nous a montré à maintes reprises durant ce tournoi qu'il pouvait retourner des situations. Et il a sorti aussi des grosses pointures de ce tournoi. Exactement. Donc là on va voir si ça va être un coaching payant là, de la part de Kane ou alors est-ce que peut-être que Munda va enfoncer le clou. On verra bien, en tout cas c'est reparti. Chubasa qui fait face à deux adversaires. Mais bon là on a le pire qui est dans sa zone préférentielle. Hein. Ah exactement. Donc, ça va exactement. Être compliqué de le passer. J'ai envie de te dire que sa zone, est-ce que c'est une petite zone ou c'est carrément les trois quarts du terrain? C'est ça la vraie question. Parce qu'effectivement, si t'es pas dans la surface, t'es toujours au milieu de terrain. Ouh, le petit critique Rainbow. Ça ne passera pas. Le petit critique Rainbow qui fait plaisir. Qui tombe là, voilà, quelle belle interception. Voilà. Une attaque avortée. Ça va passer sur Victorino.
Torino face à Robson. Et le spirit anglais va suffire à passer. Oh là là, la faute! Ah, bien sûr, on reconnaît la douceur de Robson. Cœur de lion, hein. Duel de Tsubasa. Le Crayford en deuxième rideau qui peut être un peu embêtant là. C'est clair, hein. Parce que faut pas oublier qu'il a une interception de rang S. En plus, un tir de rang S. Exactement. Si Shane décide de jouer le 1-2, ça peut. Ah, il passe. Ah non, il tire. Un petit critique argent. Est-ce que ça va. On vous pronostique, est-ce que ça va rentrer? Est-ce que ça ne va pas rentrer? Shane, en tout cas, qui est confiant sur ce tir pour tenter. Allez, le football est envoyé. Il va assurer le coup, maintenir son avance, c'est logique. Et double critique argent, est-ce que... Attention. Et c'est bloqué. C'est bloqué. Pour ceux qui ont le simulaire, ne désirez pas le faire monter, hein, j'ai l'impression. Ah oui, là, apparemment, il a des... On est sur du skill field de qualité. Ah, c'est vraiment une très belle seconde vie qu'ils m'ont donné à ce simulaire là. Parce que. On a longtemps entendu son passif dans un premier temps. Exactement. Et plus là, l'évolution de potentiel. C'est bien de revenir à la situation d'une nouvelle jeunesse. C'est vraiment pas mal du coup, les premiers à avoir. Ah, Titi Grimbo de Galvan. Ah, ce Galvan, c'est une plaie quand il fait son tour. Il t'arrête, passe, dribble, il t'arrête tout. Ah, voilà, contre favorable. Ah, il est tout le qui récupère encore la balle. Que va-t-il tenter? Un petit tir coup de feu. Ah, il tire coup de feu. Est-ce que ça va pas expulser le goal? Parce que ça expulse exactement un joueur. Exactement. Et j'ai envie de te dire que Shane met une impression. Ah non, là, c'est. Shane monte, en gros, c'est pas fini. C'est pas fini. Il ne lâchera rien jusqu'à la 90e minute. Même plus. Exactement. Double critique or. Alors? Et c'est un arrêt de Müller. Müller infranchissable. Ah, Müller. Il y en a beaucoup qui vont faire des cauchemars avec Müller. Je pense même qu'il y en a, je suis sûr qu'ils vont les faire monter. Moi j'ai commencé d'ailleurs pour ce finisse. Pierre toujours dans sa zone de prédilection. C'est normal, je te défendais. J'ai entendu. Oh, Schneider face à Pierre. Avantage du type, est-ce du que type. Ça peut passer? Attention, Pierre est redoutable. Hein. À moins que mon gars nous cache un petit full power. Voilà. Là, qui est concentré sur le stack, le papillon. Aïe, aïe, ça le choix qui ne sera pas payant. Müller en dernier rempart, il a commencé à s'avancer dans sa surface de réparation pour tenter son arrêt. Est-ce que Shane va égaliser? Attention Shane, comment ça peut se sentir? Aïe aïe aïe, il ne tombe même pas. Ah là, c'est l'égalisation. L'égalisation est partie. L'égalisation de Shane. Bravo. Un partout, balle au centre là, c'est un nouveau match qui commence. Va-t-il, est-ce qu'il va faire justement cette remontada?
dans les derniers instants. Il reste combien? Il reste quand même un petit quart d'heure. Et le Müller qui est vidé de sa stand. Ah, Shane il pourrait l'avoir à l'usure. Il l'aurait eu à l'usure. Est-ce que sa technique n'aurait pas été de laisser son adversaire avancer tout doucement dans le jeu pour pouvoir lui avancer ses pions? Est-ce que ça serait pas... Peut-être, mais ça, il n'y a que lui qui pourra nous dire. Ça ne passera pas. Honda qui n'a pas dit son dernier mot, il peut très bien l'emporter. Parce qu'autant son gardien, il est sa stam, autant ses autres joueurs ont toujours la leur. Ils ont toujours leur armée, et quelle belle armée. En tout cas, merci à tous les deux d'avance parce qu'ils nous font vivre une finale palpitante. Alors, Chrono qui nous dit... Oh là là, conception. 4 Müller et As, on va l'envoyer 10 et poule. Dans le poule, Fuller, pour montrer ce qu'on a. Oh là là, directement sur Santana qui a fait face à Roberto Carlos. Ouh là là, attends, petit bug d'affichage. Santana, Roberto là, Carlos. Là, on vit vraiment les 44 minutes, 44 secondes. Pareil, Shane qui finit. Shane qui a la balle de match. Roberto qui peut prolonger le suspense. Allez, Monda qui vient faire un encouragement sur le chat. Monda, allez, Ike Monda. Est-ce que c'est le tir de la victoire? Le Müller est vidé de sa stam. Ah, il a plus de stam. Un peu, un chouïa. On me dit dans le public, en full power chouïa. On nous dit dans l'oreillette. Oh, c'est critique. Critique gold. 207 à la savette possible. C'est possible. Comme vous avez pu l'entendre, le début. Ah là là, allez, on joue maintenant. Et c'est maintenant. La finale se joue maintenant. Allez, Shane qui arrache la victoire et la finale à la 47ème minute de la Tsubasa Cup Paris. On a notre vainqueur de la première édition de la Tsubasa Cup Paris. On peut vous dire qu'il est épuisé. Il a tout donné. Voilà. Donc, vas-y, le premier vainqueur de la Tsubasa Cup Paris 2019. Shane, bravo à toi. La coupe à la maison. Et un grand bravo, attendez. Et un grand bravo à Monda. Monda, il est excellent. Il a été redoutable. Voilà, bravo les gars. Ton Müller nous a remercié pour votre fair-play. Je vous remercie pour votre fair-play les gars. Et comment dire, C'est noté. Donc là, le score vient de tomber. Mitch est 3ème. 1-0. Mitch 3ème. C'est bon, messieurs. Bon, donc là le score c'était 2-1 pour Shane. Pour Shane, voilà. Bon, bien évidemment pour le vainqueur, la coupe. La coupe. Le maillot de la Nanskatsu. Okawa, excusez-moi, c'est vrai, pardon. Un grand merci à Okawa. Obligé de venir avec la prochaine fois. La médaille, bien sûr. Ça va être dans le règlement. Voilà, pour la médaille. Alors, je ne me trompe pas de médaille. Alors, mais c'est pas la troisième là qui a accroché? Ouais, si, c'est ça. T'as raison. Tiens, je te laisse la mettre autour du cou de Shane. Shane, bravo à toi. Médaille d'or. Premier vainqueur de la Tsubasa Cup Paris, première édition. Médaille d'argent pour Monda. Je te laisse la mettre. Monda. Voilà. Bien évidemment, tu n'auras pas que la médaille. Hein. Hop. Bien joué. Toi aussi, bravo. Tu nous as fait livrer. Ah, maillot de Nakatsu. La part d'Okawa. Voilà, Okawa. Attendez, il y a aussi un autre cadeau, attendez, c'est pas fini les mangas. Attendez, les mangas. Hop.
Ouais les gars, hop, pour les vainqueurs. Pour la réédition. La réédition les gars, un bon manga. Tout va ça, comme ça vous allez revoir vos classiques. Le troisième, Mitch. On a gagné le troisième. Il est là. Alors Mitch, il a gagné la médaille. Allez, on peut continuer à vous applaudir en tout cas avec plaisir. Ouais, ouais, ouais. Un magnifique podium. Magnifique les gars. Un cadeau spécial pour ta Godfire, une belle veste. Il le mérite, une belle veste. Voilà. Vu qu'il a mis son départ, voilà. Alors, est-ce qu'on a des quatrièmes et des cinquièmes? Alors tiens, on va regarder. J'ai vu qu'il y avait peut-être aussi... Alors, on a un quatrième, effectivement. D'accord. Donc, c'est Arza. Arza quatrième. Et Arza quatrième. Et derrière, ils sont quatre à être cinquième à égalité. Ah, ok. Donc, peut-être par rapport à une sorte de tirage au sort ou... Tu sais quoi? Ici, tu sais comment ça se passe, les choses. Au Shifumi, on a un coup. D'accord. Et ben, faut appeler les... Shifumi, on a un coup. Donc j'appelle les 4 joueurs qui ont perdu en quart de finale. Par contre l'État n'est pas là. Donc aussi Mysterious et Softy s'il vous plaît. Gagnez-moi Shifumi, vas-y. Alors, donc Softy, s'il te plaît, Mysterious, sinon Mysterious, il est là. C'est mon quatrième. L'État qui est pas là. L'État n'est pas là. Malheureusement. 1, 2, 3, 4. Et eh ben du coup, allez tourner général. Eh, Gislain, Gislain, oui. Pour le dernier cadeau, il va se jouer à Shifumi. Oh, ça c'est beau. Voilà. Donc du coup, les 3 concernés, mettez-vous au centre, s'il vous plaît. Attends. Est-ce qu'on le fait selon nos règles, à peu près là, avec quelque chose de... Oh, autant le faire. Ouais, mais tu veux prendre quoi pour cacher, c'est ça le truc. Non, c'est pas une délit d'élo, les gars. Excuse-moi. Allez, on va être pour son paradidas. Allez, donc. Attends, ils sont trois. Donc, chacun joue l'un contre l'autre. Comment? Bah, chacun joue l'un contre l'autre. Donc, il y a 3 confrontations. S'il y en a un qui gagne les 2, ça y est, il repart. Ça joue en combien? En 1, mets-toi en face. Et en 1, c'est en 1. Alors oui, s'il y a égalité, juste s'il y a égalité, il y a égalité. Genre c'est un 1. S'il y a égalité, il y a égalité. Préparez vos jeux directement. Moi je vais enlever le 5. Ouais, t'as quand j'enlève le 5, il ne faut pas changer son jeu. D'accord? Ouais, on va mieux pas sur ce qui va sortir. C'est nickel, c'est nickel. Attention avec le public, on ne vous pas de. Oh, rien du tout. Attention, préparez les jeux. Vous pouvez les sortir directement. Ah oui, le but c'est éliminatoire. C'est un jeu cadeau. C'est pas puits, Pierre, il va pas de ciseaux. Vas-y, préparez les jeux, sortez les jeux, les préparez, vas-y, non, regarde, en fait, mets ta main devant le sac. Là, vous pouvez changer jusqu'à ce que je dise pierre, feuille, ciseaux, une fois que j'enlève un ciseau, c'est fini, il ne faut plus changer. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Si tu l'emportes, si tu gagnes ton pierre feuille ciseaux, t'as gagné. Ça va être entre deux. Allez. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Oh, égalité donc maintenant. Égalité. C'est à vous deux. Comment tu joues? C'est normal. C'est à moi, je vous laisse faire avec maître Royal. Donc, allez, Mysterious. Avec maître toi.
T'as encore une chance. Là, ça dit quoi, ça? Ah, bah, Bogas, la lumière. Ciseau. Ah. Et du coup, tu me le viras. Eh ben, ça joue uniquement entre nous. Voilà. Parce que vous avez fait, vous avez fait chacun une victoire et un match nul. Donc maintenant, là, là c'est la vraie là. Là, c'est les cadeaux. C'est pas mon truc, toi. Attention, attention. Le tournoi a été plus rapide. Attendez. Attention. Voici le full power. À ciseaux, attention, faut plus bouger, hein. Attention, ok, tu es mort. Pierre, feuille, ciseaux. Une belle casquette. Oh. Voilà. Ah, c'est pas grave. Une belle casquette et un abonnement ADN de 1 mois. Je suis abonné. Voilà, je suis abonné. Regarde tes droits comme la gêne. Donc on remercie qui ADN aussi. Eh oui. ADN. On remercie ADN pour les abonnements. ADN, ça marche jamais avec moi. Alors on va lire le chat juste avant de partir. Top 10 anime fight. On balance un anime de pire. Moi je propose qu'on règle ça à la Bleach avec des impacts et tout. Alors allez, Letko, toi et ta team, vous avez géré de fou pour cet event. Merci. Allez. Bravo Mitch, beau gosse Tago. Donc là, c'était une soirée pleine de beaux gosses. Vous avez tous été des beaux gosses. Merci les mecs. Peut-être que sur la prochaine édition, la jambe féminine qui va se manifester. Bon, Merci, mon gars. Si on Franchement, super soirée, top, bon plaisir, j'espère qu'on va refaire ça bientôt. Merci pour les commentaires. Franchement, ouais, merci à toi. J'espère que tu resteras quand même parmi nous et que tu iras aux IRL et tout ça. Et aussi, je voudrais aussi un mot à Eddy qui aurait voulu être là avec nous et qui n'a pas pu être là malheureusement pour des raisons privées. Je dirais pas, forcément, c'est sa vie privée. Donc une grosse dédicace à Eddy qui aurait dû être là et qui sera là peut-être la prochaine fois à la Japan Expo. Allez, merci Eddy. Bon, merci de tous d'être venus les gars. Bon, bien du coup, c'est quoi? Merci, c'est grâce à vous. Allez, t'es là. Bon, bah, on est dans les temps, on avait c'est... Disney en 23h, on est bon. Ouais, non mais c'est avec ma sale tronche, en plus je suis tout rouge, on dirait Dalsim. Allez, c'est avec ma sale tronche qu'on va clôturer ce stream, ça y est déjà minuit. On a une heure de retard, mais ça valait le coup, très clairement. Donc, eh ben, on se retrouve très très vite. Pour la prochaine édition peut-être. Pour la Captain Tsubaka Paris Cup 2e édition, espérons-le. Peut-être.
Espérons le. Attends, je vais remettre la caméra. Hiver Rotan 2019. Je vais la remettre là. C'est vrai que ça tienne un peu. Voilà. Donc, effectivement. Et puis, eh ben, quant à nous, on se donne rendez-vous donc dès demain pour Street Fighter 2X à l'Extra Life Café. Et puis la semaine prochaine au programme Smash Bros Melee, Smash Bros Ultimate et Mario Kart, notamment donc dans les tournois prévus dans les prochains jours. Merci encore, messieurs. Merci à toi et à l'Extra Life Café. Vous avez assuré de voilà, vous avez foutu l'ambiance. Dédicace à ma mère et à ma femme. Toujours la famille avant tout. T'inquiète. Allez, allez, on vous fait tous des gros bisous. Merci. Ciao. Et à la prochaine.